Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Bien, je déclare la séance ouverte. Chers collègues, nous avons à saluer la mémoire de M. Hubert Leclerc de Hautecloque, décédé le 19 avril 2015. Né à Rabat, sylviculteur, héritier d'une vocation familiale, il avait pour passion la forêt. Il fut président de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs 30 années durant, de 1965 à 1995. Il contribua dès 1963 à la création des centres régionaux de la propriété forestière et en présida l'Association nationale de 1972 à 1997. M. Leclerc de Hautecloque participa activement tout au long de sa vie au développement de la forêt privée et de la filière bois en France avec un seul objectif, la recherche de l'intérêt supérieur du pays. Fils du maréchal Philippe Leclerc, auprès duquel il s'était engagé dans la deuxième DB à l'âge de 17 ans, il participa à la campagne de libération de la France. Pendant 43 ans, il fut maire de Tailly-l'Arbre-à-Mouche, petit village dont il exploitait les forêts. Nommé membre du Conseil en 1974 au groupe de l'agriculture, il participa aux travaux de la section du cadre de vie jusqu'en 1979. Commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre 1935-1945, il était également chevalier du mérite agricole. En ses mémoires, je vous invite à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Je vous rends compte aussi des décisions prises ce matin en bureau. Au titre des communications, j'ai bien évidemment souhaité partager avec l'ensemble du Conseil le succès de la journée d'études qui était co-organisée par le Conseil économique, social et environnemental et le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po et qui était consacrée aux politiques de l'enfance et de la jeunesse, à la suite des avis émis par notre Assemblée en faveur de la jeunesse et très récemment du vote de l'avis de suite intitulé « Sécuriser les parcours d'insertion des jeunes » présenté par Antoine Dulin. La rencontre qui était organisée le matin en colloque à Sciences Po, puis l'après-midi en colloque ici au sein du Conseil économique, social et environnemental et au sein de cet hémicycle, s'est achevée par une rencontre entre les jeunes, 400 jeunes, et le président de la République, avec un échange franc, direct, porteur des préoccupations de la jeunesse et des réponses que pouvait apporter le président de la République par rapport à l'espérance, à l'inspiration et à l'enrichissement qu'un pays se doit d'avoir en offrant à sa jeunesse les raisons d'espérer. Je voudrais saluer la motivation, la mobilisation et la grande pertinence de l'expression d'un certain nombre de jeunes représentant la diversité des situations géographiques, sociales, d'emploi. Et ce fut des moments de grande richesse. J'ai aussi fait part de la teneur de mon échange avec M. Louis Schweitzer,
commissaire général à l'investissement, qui est venu présenter le bilan des deux premiers programmes d'investissement d'avenir et esquisser les contours du troisième programme à hauteur de 10 milliards d'euros, issus d'ailleurs de la commission dite Juppé-Rocard. Et il nous a fait part du travail en cours sur la définition des domaines d'intervention, des mécanismes à mettre en place avec le souci de réduire les délais entre la décision prise et les décaissements effectifs qu'il entend pouvoir réduire à moins de 3 mois, mais aussi sur la nature des instruments financiers à retenir afin de ne pas trop peser sur les indicateurs dits de Maastricht. Louis Schelzer a aussi fait part de toutes ces formidables réussites françaises, les start-up qui, grâce à ce plan d'investissement d'avenir, ont vu le jour dans des domaines aussi variés que la santé, l'université, favorisant pour souvent le rapprochement des structures. Il souhaiterait cependant favoriser l'excellence, l'innovation et le collaboratif ou le fonctionner ensemble entre le monde universitaire, les laboratoires, les entreprises, mais aussi d'ouvrir, domaine qui avait été peu abordé, la recherche en sciences humaines et la relation entre les petites et les grandes entreprises. Il a exprimé le souhait d'associer le Conseil économique, social et environnemental à la réflexion et très attentif aux propositions et aux réactions de la société civile. Nous avons estimé, et je l'en informe presque en direct, que probablement le président Chilinski des activités économiques pourrait recevoir le commissaire, mais peut-être aussi y associer les membres du Conseil soucieux de participer à cette audition, et notamment de la section des finances, pour pouvoir peut-être produire soit un avis de suite, en tout cas réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour apporter notre contribution aux interrogations que portait le commissaire pour être éclairé par le regard que porte la société civile sur cette stratégie d'investissement des investissements d'avenir. Sur la proposition de notre représentante au sein de la commission permanente de l'UNESCO, Mme Edith Arnaud-Bril, nous avons aussi décidé d'accueillir le président en plénière de la Commission nationale française pour l'UNESCO, M. Daniel Janicot, à l'occasion du 70e anniversaire de cette grande organisation internationale et au moment où, sur l'impulsion du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, est affectée une volonté diplomatique forte de la France de redonner tout son pouvoir à cette institution. Ce sera l'occasion pour M. Janicot de présenter le plan d'action centré sur la mobilisation des solidarités entre les chercheurs et l'éducation, y compris l'éducation non formelle. A aussi été évoquée la cérémonie d'entrée au Panthéon de 4 personnalités de la Résistance, M. Pierre Brossolette, symbole de la liberté, Germaine Tillion, symbole de l'égalité, Geneviève de Gaulle-Antonioz, symbole de la fraternité, et Jean Zé, symbole de la laïcité. J'y reviendrai tout à l'heure, Madame de Gaulle étant un membre éminent de notre Conseil économique, social et environnemental et ayant travaillé aux côtés du père Rezinski avec des responsabilités importantes au sein d'ATD Quart-Monde. Et donc je déposerai avec une délégation des membres du bureau une gerbe le 27 mai au matin et nous assisterons à 17h le même jour à la cérémonie présidée par le président de la République. Nous aurons l'occasion de rendre un hommage à ces personnalités lors de notre séance plénière du 26 mai. Nous avons aussi à nous préparer à être saisis par le gouvernement d'un avis sur l'avant-projet de loi relatif à la création, à l'architecture et au patrimoine, et le bureau a accepté de confier, sous réserve de la confirmation de cette saisine gouvernementale, l'élaboration du projet d'avis à la section de l'éducation, de la culture et de la communication. Le bureau a accepté, à la demande du président de la section des affaires économiques, un changement de titre de la saisine, qui était notamment le stockage de l'électricité, pour préciser le stockage de l'énergie électrique. Le bureau a également examiné ce matin le projet de règlement de la caisse de retraite des conseillères et des conseillers du Conseil économique, social et environnemental. Il s'agissait d'une séance consacrée à la présentation des observations
et de l'adaptation dans le règlement des décisions qui étaient envisagées par le bureau. Jusqu'au 26 mai, libre aux membres du bureau de pouvoir dialoguer avec chacun et chacune d'entre vous au sein de vos groupes pour pouvoir débattre, proposer des amendements, des modifications, avec, si cela était possible, pour des amendements de modification, une capacité de les recevoir lundi de façon à ce que nous puissions mobiliser nos études pour mesurer les conséquences des propositions que vous nous formuliez. Le calendrier est très clair. Le 26 mai, le bureau aura à se prononcer et à décider. Et le 9 juin, la présentation en sera assurée par les questeurs en séance plénière. S'agissant du calendrier prévisionnel des séances et sous réserve d'autres modifications, le planning est maintenant complet jusqu'à la fin de la mandature, à l'exception du 8 juillet. Le 23 juin, M. Janicot viendra en début de séance, M. le Président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, et nous aurons le lendemain, en début de séance, un débat sur le projet de résolution relative aux indicateurs complémentaires au PIB en début de séance. Nous avons maintenant à rentrer dans l'ordre du jour de cette séance d'aujourd'hui qui a pour vocation de recevoir par Marie-Hélène Grard la présentation de son projet d'avis pour l'école de la réussite pour tous, mais aussi par Monsieur l'inspecteur, ce Jean-Paul Delahaye. Je voudrais indiquer à quel point, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les membres de la section éducation, culture et communication, à l'heure où la réforme du collège porté par la ministre offre à nouveau un terrain d'affrontement pour chacun des camps politiques, avec quelquefois un bruit médiatique qui a tendance à oublier la question de fond. Je voudrais saluer la démarche collective qui fut la vôtre au sein du Conseil économique, votre souci permanent de nourrir le débat et non pas de l'instrumentaliser, et votre volonté de dépasser les différences de point de vue des uns et des autres pour chercher des voies de convergence, ce qui donne un lustre particulier à notre Assemblée. Nous avons évidemment de leçons à donner à personne, mais il est quelquefois important de réfléchir à la qualité que peut avoir une enceinte comme la nôtre, d'avoir un débat riche, un dialogue apaisé, et de pouvoir, je m'en souviens, apporter grâce à cela des points de convergence forts. Je me souviens, Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, lorsque je vous ai accompagné à l'Assemblée nationale avec Monsieur Xavier Naud, de la richesse des débats qui ont pu avoir lieu sur ce type de réflexion, puisque la séance qui était prévue pour une heure a duré 2h30, et vous pointiez déjà dans la communauté éducative, et je salue les représentants nombreux qui sont dans la tribune, une usure de la réforme. Et l'on voit bien que nous devons être attentifs à ce que si la démocratie, c'est le débat, la société, c'est le respect, et soyons attentifs à ce que quelques sondages nous montrent aujourd'hui l'usure des débats politiques. Lorsque nous posions la question dans un sondage de ce matin à nos concitoyens, lorsque la classe ou les politiques vous parlent des valeurs de la République, est-ce que cela vous touche ou non ? Seuls 37% d'entre eux disent « oui, ça nous touche ». Ça veut dire qu'il y a 67% que ça ne touche pas. Et nous voyons bien que c'est un sujet sur lequel aujourd'hui nous devons, en défendant les institutions de la République par rapport aux objectifs que nous assignons, notamment à l'école de la réussite pour tous, le débat sur l'inclusion, la construction de citoyens, nous voyons bien que nous avons à réfléchir. Est-ce que la faiblesse d'un argument n'est jamais compensée par la violence verbale et que la construction de convictions n'est jamais consolidée par des problèmes de posture. Et je crois que c'est un enseignement fort de cette journée que vous mesurez chacun et chacune qui côtoyez dans votre univers professionnel des jeunes, un enseignement que vos travaux récents menés en partenariat avec des classes en section ou pour le colloque Vivre Ensemble nous rappelle que lorsque la République respecte sa jeunesse, la jeunesse respecte la République et bien plus encore. Et que je pense qu'une des valeurs que nous partageons et qui fait la force de notre Assemblée,
c'est le respect que nous avons les uns vis-à-vis des autres et la volonté d'apporter notre contribution personnelle à des convergences et des avis collectifs. La venue du président de la République a été à l'évidence une reconnaissance forte de cet engagement sur la jeunesse et l'éducation. Les rapporteurs de nos différents avis ont pleinement contribué au succès de cette journée, mais je n'oublie pas les réactions d'un certain nombre de jeunes qui, lorsque l'on a dit qu'ils allaient rentrer dans l'hémicycle, dans cette salle un peu rouge, ils ont été nombreux à dire « Ah oui, c'est comme à l'Assemblée, c'est là où ils se battent entre eux ». Et nous avons été très frappés par leur réaction, mais aussi par leur attitude extrêmement responsable, extrêmement respectueuse, extrêmement constructive, et dans un silence où il apparaissait quelquefois plus difficile de réunir une vingtaine d'élus engoncés dans leur posture que 400 enfants interrogés par leur avenir et soucieux de débattre avec des autorités. Madame la rapporteure, vous permettrez aussi un mot plus personnel. Dans 15 jours, la République rendra hommage à Geneviève Antonioz de Gaulle lors de cérémonies au Panthéon. Et je voudrais saluer les membres d'ATD, votre président, M. Matinier, qui représente certes un petit siège au CESE ATD, mais qui occupe une grande place dans cette assemblée, dans son histoire, dans ses valeurs et surtout dans ses fondamentaux, puisque le père Ezinski a bâti le socle du RMI, mais aussi a construit le socle sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui sur cette société d'inclusion et de solidarité au moment où le repli sur soi est en train de fragiliser notre République. Nous voyons bien que de plus en plus de voix dans le monde s'élèvent pour dénoncer la montée des inégalités et le risque de dislocation sociale. J'avais été très frappé lorsque je l'avais rencontré, monsieur et madame Schwab, qui sont les fondateurs de Davos à Genève, lorsqu'ils analysent les risques qui peuvent aujourd'hui fragiliser la géopolitique mondiale, ils m'avaient indiqué que le premier risque n'était pas la catastrophe financière, n'était pas les conflits militaires. Le premier risque de déstabilisation du monde était les risques d'instabilité sociale et de dislocation sociale. Et nous devrions être attentifs au moment où la France est porteur de ce pacte collectif qui avait fait la force du Conseil national de la Résistance, à quel point notre contribution est peut-être plus riche, plus importante et plus nécessaire que jamais. Vos illustres prédécesseurs, Madame la rapporteure, ont vigoureusement défendu ici, et nous sommes nombreux à avoir été sensibles à votre investissement personnel pour mener à bien cet avis, fidèle à la mémoire et à la mission d'ATD, de surmonter avec énergie toutes les difficultés qui viendraient se dresser contre la cause que vous avez souhaité défendre. Je me souviens aussi à quel point, lorsque vous avez, ATD Quart-Monde, répondu à mon invitation de tenir ici une université populaire, j'avais été très frappé lorsque j'avais fait cette proposition d'entendre l'un des vous, c'était dans un hangar de Seine-Saint-Denis, dire « Monsieur le Président, c'est pas chez nous ». Et au moment où nous réfléchissons sur l'éducation, sur l'école, nous sentons bien qu'un certain nombre de nos concitoyens pensent que l'école, c'est pas forcément pour eux, que la réussite n'est pas forcément pour eux, et que nous voyons bien la dislocation se répandre et que la douleur de l'absence de la République dans un certain nombre de nos quartiers ou dans la tête d'un certain nombre de nos enfants peut amener le chemin très naturel vers une radicalisation et quelquefois de nature spirituelle. Et je crois qu'il est donc essentiel que la réflexion à laquelle vous allez nous inviter, de savoir que ce n'est pas de se réjouir du succès des plus forts qui est important, c'est si on arrive à réussir à redonner de l'espérance aux plus fragiles et aux plus faibles, c'est la totalité de la société qui en tire un bénéfice au profit d'un contrat collectif d'inclusion et d'une réussite d'un projet de société dans lequel chacun a sa place. Et donc, je voudrais maintenant, Monsieur le Président Philippe Dacosta, en saluant les initiatives que vous avez prises, l'axe et la colonne vertébrale de l'action que vous menez au sein de l'éducation, de la section d'éducation, la pertinence de nous retrouver aujourd'hui avec Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Jean-Paul Delahaye, qui nous invitera à écouter le rapport sur la grande pauvreté et la réussite scolaire, qui est un choix de solidarité pour la réussite de tous, puis ensuite la rapporteure Marie-Hélène Grard, de nous souvenir que la liberté quelquefois peut servir les plus forts, l'égalité est quelquefois difficile, mais c'est que c'est peut-être la fraternité qui est le ciment le plus fort de nos sociétés. Vous avez, Monsieur le Président, la parole.
Merci, Monsieur le Président. Quelques mots simplement pour resituer l'avis que la section a le plaisir de vous présenter cet après-midi. Comme vous venez de l'indiquer, cet avis s'inscrit dans une trajectoire que nous avons ouverte en 2010 sur les inégalités à l'école et aussi sur notre contribution au projet de loi sur lequel notre section a largement contribué. Il nous paraissait évident avant la fin de la mandature que la question des pédagogies de la réussite devait faire l'objet d'un avis. Et c'est ainsi que la section a décidé de soumettre au bureau ce projet d'avis, une école de la réussite pour tous, il y a quelques mois maintenant. La méthode est originale, sans doute parmi les avis de la section, l'une des plus originales, avec près de 200 auditions, des contributions à la fois sur le site du CESE, de nombreux rendez-vous, de nombreux entretiens se sont déroulés, portés à la fois par notre rapporteur et par l'inspecteur général Jean-Paul Delahaye. Nous avons, au moment où la ministre confiait à Jean-Paul Delahaye son rapport, croisé nos démarches et nous avons cheminé ensemble pour aboutir cet après-midi, et nous l'avons souhaité, à ce que, d'une part, Jean-Paul Delahaye puisse nous rendre compte du rapport sur la grande pauvreté et la réussite scolaire qu'il a rendu hier après-midi et qui lui a été confié par les ministres successifs qui viennent de prendre la responsabilité du ministère, et d'autre part, permettre cet après-midi, bien entendu, de vous soumettre cet avis « Une école de la réussite pour tous », qui a bénéficié d'une méthode originale avec un groupe de croisement des savoirs, avec à la fois des chercheurs, des parents, des éducateurs, des élèves, qui chacun ont apporté leur regard spécifique sur leur vision de la réussite, des pédagogies de la réussite. Et ce, je crois, que nous avons le plaisir d'entendre cet après-midi, c'est à la fois l'avis porté par notre rapporteur au nom de la section, mais nous avons aussi souhaité donner la parole à quelques-uns des acteurs qui nous ont accompagnés. Et je vais laisser donc se dérouler la séance telle qu'elle a été conçue. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans un premier temps, nous allons entendre, avant de saluer Madame la Ministre, qui doit venir nous rejoindre tout à l'heure, ainsi que Madame Valérie Corps, députée, Monsieur Yves Durand, la parole est à Monsieur Jean-Paul Delahaye, qui nous présentera rapidement les conclusions de son rapport qu'il a présenté hier à Madame la Ministre. Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous. Vous avez la parole. Sociale et environnementale, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la rapporteure, chère Marie-Hélène Grard, mesdames et messieurs les conseillers, le rapport que je vais effectivement vous présenter brièvement aborde une question dont on parle peu. Pourtant, ce n'est pas un point mineur. En France, aujourd'hui, 1,2 million d'enfants, soit un enfant sur 10, sont des enfants de familles pauvres ou très pauvres. Conséquence de la détérioration de la situation économique, leur nombre augmente. La situation est d'autant plus préoccupante que la France est un des pays dans lesquels l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Et ça s'aggrave. Le système éducatif français est plus inégalitaire en 2012 qu'il ne l'était 9 ans auparavant. L'école, bien entendu, a une part importante de responsabilité dans les destins scolaires, mais l'échec scolaire de trop nombreux enfants issus de familles pauvres est aussi le révélateur des problèmes de l'ensemble d'une société, la nôtre, confrontée au creusement des inégalités. Donc la mission qui m'a été confiée offre l'opportunité de rappeler pourquoi il y a nécessité de refonder l'école et pour qui. En réalité, c'est la même question. Si refonder l'école, c'est corriger les inégalités au sein du système éducatif, alors refonder l'école, c'est faire réussir les plus pauvres. Faire réussir les plus pauvres, c'est une question de justice pour les pauvres eux-mêmes, c'est évident. Mais faire réussir les plus pauvres, c'est aussi une question cruciale pour notre vivre ensemble, vous venez d'en parler, Monsieur le Président, parce que les inégalités mettent en danger le pacte républicain. C'est aussi une question cruciale pour notre économie, parce que les inégalités freinent la croissance. Tout le monde a donc intérêt à la réussite de tous. L'intérêt bien compris de notre pays rejoint ici l'idéal d'une école plus juste. Notre mission a donc centré l'essentiel de son attention sur l'école primaire et sur le collège, où se joue l'essentiel des apprentissages et fondamentaux et les trajectoires ultérieures des élèves, avec 3 points d'attention qui ont été fixés par la ministre à la mission. Un devoir de connaissance et de meilleure prise en compte de la précarité de vie des familles en grande difficulté, les relations entre les familles pauvres et l'école, et les moyens pédagogiques pour assurer la réussite de tous et la formation des personnels.
Le président Dacosta vient de le dire, c'est vrai que cette mission s'est effectuée dans un cadre inédit, une étroite collaboration entre ma mission ministérielle et le Conseil économique, social, environnemental et la section éducation, culture et communication. Je peux vous dire, monsieur le président, que l'excellent climat de travail qui s'est instauré entre le CESE et ma mission ministérielle a permis à ma mission d'être encore plus intéressante et encore plus utile. La première partie de mon rapport concerne l'école face aux situations de grande pauvreté des élèves. Si la grande majorité des enfants qui vivent en France voient, et c'est heureux, majoritairement leurs droits fondamentaux satisfaits, les enfants qui sont en situation de pauvreté en sont partiellement ou totalement exclus du fait des conditions même de grande précarité dans lesquelles ils vivent, ils se trouvent. Il y a donc dans nos écoles et dans nos établissements des signes et des effets de la grande pauvreté. Dans certaines parties de notre territoire, urbains comme ruraux, avec l'aggravation de la situation économique, l'école est devenue, d'une certaine manière, bien sûr toujours un lieu d'apprentissage, mais est devenue aussi une institution d'aide aux familles, voire un refuge, un premier repère, pour un premier recours aussi face aux situations de détresse sociale. Nos écoles, nos établissements deviennent ainsi des lieux de solidarité, des lieux où s'élaborent des solutions grâce à l'engagement et à la vigilance des personnels de l'éducation nationale et de leurs partenaires. Cette situation de pauvreté a une conséquence, c'est que les enfants et adolescents qui sont dans cette situation sont des enfants et adolescents qui ont des fragilités multiples, financières, sociales, culturelles, et donc moins disponibles pour les apprentissages. Comment en effet entrer sereinement dans les apprentissages quand on rencontre des difficultés pour se loger, pour se nourrir, pour se soigner, pour s'habiller, pour se cultiver. Et donc tous les jours, dans nos écoles, dans nos établissements qui sont dans ces territoires en très grande difficulté, eh bien, certains enfants ont des problèmes vestimentaires, hein, des tenues non adaptées à la saison, par exemple. Certains enfants arrivent sans avoir mangé et le disent au personnel. Certains enfants ne peuvent pas participer au voyage scolaire. Certains enfants ne peuvent pas payer les photos de classe ou acheter les fournitures scolaires. Certains enfants ont des caries dentaires non soignées et de très grandes disparités existent dans l'accès aux soins et particulièrement en zone rurale isolée, mais pas qu'en zone rurale isolée. Et donc face à cette situation, eh bien, une amélioration des réponses de l'institution scolaire et des partenaires face à la grande pauvreté de certains élèves est attendue. Et mon rapport fait l'état d'un certain nombre de points sur lesquels on a à progresser dans notre pays, et pas seulement l'éducation nationale. Nos services sociaux et de santé sont à renforcer pour permettre un suivi continu de nos élèves entre l'école et le collège. L'aide sociale est apportée à la hauteur des besoins. Je fais un point dans mon rapport sur les bourses de collège qui sont évidemment à revaloriser. Aujourd'hui, le taux maximum d'une bourse pour un élève de collège, hein, qui a le taux maximum, situation vraiment en très grande difficulté, c'est une bourse de 357 euros par an. Ce qui veut dire 1,98 € par jour de classe, c'est-à-dire que ça ne paye pas la restauration scolaire. Et donc ces bourses sont à revaloriser. Un taux anormal également de non-recours de bourses qu'il faut réduire pour que toutes les familles puissent bénéficier de leurs droits. Et puis on a des crédits destinés aux fonds sociaux qui sont à remettre à niveau. En pleine crise économique, et alors que le nombre des enfants de familles pauvres a augmenté, eh bien, les crédits consacrés aux fonds sociaux de nos collèges et lycées ont été divisés par 2,3 de 2001 à 2012. Et je le dis un peu sévèrement dans mon rapport, dans notre pays, des économies ont été faites sur les crédits destinés aux élèves pauvres ces dernières années. La tendance est en train de s'inverser. La ministre vient d'augmenter les crédits de fonds sociaux de 20% pour les porter à 45 millions d'euros. Il faudra revenir à ce qu'étaient ces fonds sociaux, leur montant, en 2001, parce qu'il n'y a pas moins de pauvres aujourd'hui qu'en 2001, c'est-à-dire 70 millions d'euros. Il y a également beaucoup de travail à faire avec les collectivités territoriales, dont je veux saluer l'investissement, que ce soit les régions, les départements, les municipalités, qui font beaucoup d'efforts pour les fournitures scolaires, pour les transports, pour la restauration scolaire, pour les actions éducatives et culturelles, pour le temps périscolaire. Mais il est vrai que ces efforts sont très inégaux, ce qui pose le problème de l'égalité de traitement des enfants sur l'ensemble du territoire. Mais les réponses aux difficultés rencontrées par les enfants des familles pauvres pour apprendre sereinement ne sauraient être seulement sociales. Les réponses sont aussi, et je dirais surtout, pédagogiques. Pourquoi
Malgré l'engagement des personnels, est-il si difficile en France de bâtir un système éducatif plus inclusif, universel, c'est-à-dire qui soit organisé pour que tous les enfants réussissent, par exemple au collège? Pourquoi, en défi des réformes conduites, ça ne change pas ou ça change si lentement? Eh bien, il faut se rendre à l'évidence. Si les inégalités sociales pèsent encore autant sur le destin scolaire d'une partie de la jeunesse de notre pays, c'est que l'échec scolaire des plus pauvres n'est pas un accident. Il est inhérent à un système qui a globalement conservé la structure et l'organisation adaptée à la mission qui lui a été assignée à l'origine, c'est-à-dire trier et sélectionner ce qu'il fait très bien. 4 leviers ont été identifiés par ma mission pour tenter de remédier à cette situation et pouvoir construire une politique globale mise au service d'un objectif unique, la réussite de tous les élèves. Alors, je vais évidemment être très très rapide. Le rapport est en ligne depuis ce midi sur le site education.gouv.fr. Donc, mesdames et messieurs les conseillers, vous pouvez en prendre connaissance dès maintenant. Le premier levier, et vous verrez que dans cette partie-là, et on va se rejoindre évidemment avec l'avis du CESE, il n'y a finalement rien de très original. Beaucoup de choses se font déjà dans notre système éducatif. Le plus difficile, c'est de faire tenir tout cela ensemble au service d'une politique cohérente et d'une politique globale. Le premier levier, c'est tout d'abord, tant que les inégalités seront celles que je viens de décrire dans notre pays, eh bien, il faut savoir que nous aurons à concentrer des efforts en direction des élèves et des territoires les plus fragiles. C'est une condition nécessaire à l'égalité des droits. Alors, des choses sont déjà engagées, accomplies pour une allocation plus juste des moyens, avec la loi de refondation et les postes qui ont été mis précisément pour lutter contre les inégalités. On vient de décider au ministère de mieux prendre en compte les critères sociaux dans les dotations aux écoles et aux établissements. La ministre vient de fournir un effort supplémentaire en direction de l'éducation prioritaire. Il y a la priorité que vous connaissez bien en direction de l'école primaire, avec 3 points d'attention sur l'école maternelle. Il faut continuer l'effort pour la scolarisation précoce. Il faut continuer à développer le dispositif plus de maîtres que de classes. Il faut conforter les réseaux d'aide aux élèves en difficulté. Il faut continuer aussi à mieux accompagner les élèves socialement défavorisés pour leur travail personnel. Vous le savez, le travail personnel demandé à un élève est un élément essentiel dans l'acquisition des connaissances et des compétences, mais il est aussi, ce travail personnel, une source majeure d'inégalité quand il n'est pas accompagné. Il faut également porter une attention soutenue à la scolarisation des élèves allophones et des élèves qui sont issus de la communauté des gens du voyage. Leur présence à ces élèves, c'est vraiment une richesse pour tous au sein de l'école. Simplement, mais ce n'est pas simplement, il faut absolument que cette présence soit accompagnée d'une formation professionnelle de l'ensemble de nos personnels. Ces efforts existent donc, mais ils devront être complétés, approfondis, parce que précisément les écarts sociaux sont en train de se creuser dans notre pays et il faudra donc trouver les moyens, il appartiendra au système éducatif de trouver en son sein aussi ses propres moyens d'action si l'on veut par exemple, comme la mission le propose, diminuer progressivement et contractuellement les effectifs des classes et des écoles qui sont situées en REP+. Il y a donc des marges de manœuvre à explorer pour accentuer l'effort de solidarité pour la réussite de tous les élèves. Et j'en cite 2 dans mon rapport que je ne fais juste que citer là très rapidement. Les moyens que nous pourrions dégager pour les collèges, les écoles et les lycées qui accueillent une population sociale en grande difficulté par la suppression du redoublement, mais aussi le travail que nous avons à accomplir en interne au sein du système éducatif, sans doute pour mieux cibler nos efforts budgétaires. Vous savez que la situation de notre pays est connue. Nous dépensons 15% de moins que des pays qui nous sont comparables pour notre école primaire, mais nous dépensons 15% de plus pour nos lycées. Donc, il y a sans doute une réflexion à conduire dans ce domaine-là. Deuxième levier, je suis très rapide. Une fois que l'on a concentré ces efforts, l'objectif, c'est bien de scolariser ensemble tous les enfants au sein de la scolarité obligatoire. Et donc, pour atteindre cet objectif, il y a essentiellement 2 moyens. La mixité sociale et la mixité scolaire pour lutter contre les inégalités sociales. Mon rapport balaye un certain nombre de pistes possibles pour que les élèves soient scolarisés davantage ensemble dans notre pays. La procédure d'affectation, bien entendu, qui peut donner des résultats. Le travail que nous sommes en train de conduire avec les collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux sur la sectorisation. L'amélioration du climat scolaire, qui est souvent un préalable à la mixité sociale et à la mixité scolaire. Une offre éducative qui soit de qualité sur l'ensemble du territoire et quel que soit l'établissement. Et puis,
il faut aussi poser la question de l'attribution des moyens dans des établissements selon qu'ils prennent en compte ou non l'obligation de mixité sociale, que ce soit dans le public ou dans le privé. Le deuxième moyen, et je vais être très rapide parce que là, on rejoint l'avis du CESE, c'est évidemment, toutes les méthodes pédagogiques ne se valent pas, toutes les approches pédagogiques ne se valent pas, il n'y a pas une méthode pédagogique idéale, il y a sans doute plusieurs pistes possibles, mais il faut tout de même qu'on encourage les principes d'organisation et de fonctionnement pédagogique qui semblent les plus efficaces pour une école inclusive. Là encore, très rapidement, parce que l'avis du CESE rejoint en cela mon rapport, évidemment, organisons enfin notre scolarité obligatoire en cycle, et enfin, organisons les transitions entre les niveaux d'enseignement. Travaillons sur l'évaluation, qu'elle soit davantage une évaluation qui encourage. Travaillons aussi sur les nouveaux rythmes scolaires. La matinée de classe supplémentaire est une vraie chance pour l'égalité de tous les enfants sur ce territoire. Faisons en sorte que l'outil numérique contribue à réduire les inégalités sociales. Faisons en sorte aussi que l'éducation artistique, culturelle et scientifique soit un levier pour la réduction des inégalités. Faisons en sorte, enfin, que nos décisions d'orientation soient indépendantes des origines sociales. Et puis, faisons en sorte aussi que nos équipes éducatives soient mises vraiment en capacité de prendre des initiatives. L'autonomie des équipes éducatives permet, grâce précisément à un travail collectif, une adaptabilité, une créativité, une diversité beaucoup plus importante. Et donc, le résumé de tout ça, ça veut dire qu'au chacun pour soi et à la compétition, cadre du fonctionnement actuel, il faut sans doute préférer la solidarité et la coopération. Troisième levier, évidemment une politique de formation et de gestion de ressources humaines pour réduire les inégalités, juste les têtes de chapitre. Il faut prendre des mesures exceptionnelles pour que les conditions de travail particulièrement difficiles d'un certain nombre de nos collègues enseignants en école et collèges difficiles soient véritablement reconnues, qu'on puisse aussi constituer des équipes expérimentées et qui soient pérennes, qui soient stables. Il faut évidemment faire des progrès, et ces progrès sont attendus dans la formation professionnelle des personnels, et là c'est le rôle des écoles supérieures du professorat et l'éducation qui travaillent actuellement à faire en sorte que nos futurs enseignants soient mieux formés à la connaissance des publics, à l'amélioration des relations entre l'école et les familles. Et puis on a besoin aussi que nos écoles supérieures du professorat et de l'éducation impulsent, coordonnent des recherches consacrées aux pédagogies les plus efficaces pour assurer la réussite de tous les élèves. Bien entendu, une demande forte de formation continue de la part des personnels qui doit être entendue. Enfin, quatrième levier, alliance éducative, pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de réussite scolaire possible sans un programme plus large de réussite éducative qui permette de nouer des solidarités fondées sur la conjugaison des compétences et des responsabilités sur un territoire et non plus seulement sur leur simple juxtaposition. C'est évidemment dans cette partie-là que je traite dans mon rapport des relations entre l'école et les parents pauvres, des rapports qui sont encore difficiles entre les parents et l'institution scolaire. Contrairement à une idée reçue, les parents pauvres ne sont pas dans l'immense majorité des cas démissionnaires, et en tout cas pas plus que les autres. Mais ils y sont plutôt submergés par les difficultés. Souvent, ils ont peur de l'école. La confiance ne s'obtient que si les familles pauvres sont d'abord considérées comme des familles qui tentent, comme les autres familles, d'élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a des rapports difficiles, mais nous avons vu sur le terrain, avec Marie-Hélène Grard, beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup d'avancées qui montrent la voie pour une réelle démarche de coéducation. Et de ce point de vue, notre rapport est un rapport qui est très, très optimiste. Je fais personnellement une proposition qui est qu'on prenne l'habitude que tous les parents soient reçus en entretien personnalisé par les responsables de l'école ou de l'établissement à des moments clés de la scolarité, au début du cours préparatoire, à l'entrée en sixième, au début de la classe de troisième. C'est ce que j'appelle les rendez-vous de la réussite pour donner le maximum de chances à tous les enfants. Pas de réussite éducative sans partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Et dans mon rapport, je prends l'exemple de l'internat, qui est un puissant levier pour la réussite de tous les élèves. Pas de réussite éducative sans partenariat entre l'État, les collectivités territoriales et les associations. Et je prends l'exemple de l'accompagnement à la scolarité pour la réussite de tous. Et puis, il y a un outil qui permet de fédérer, de coordonner sur le terrain, et on a vu des choses absolument remarquables, c'est évidemment le programme de réussite éducative qui donne des résultats tout à fait intéressants. Conclusion, tous les enfants de familles pauvres ne sont pas en échec scolaire. Mais ceux qui échouent à l'école seront les exclus de demain.
En favorisant la réussite des plus pauvres, le système éducatif leur offre le seul moyen à long terme de sortir eux-mêmes de la pauvreté. Les familles pauvres ne demandent pas autre chose qu'une école de la réussite pour tous, c'est-à-dire une école qui soit pensée et organisée pour leurs enfants aussi. Et pas seulement une école organisée pour effectivement faire sortir du lot 30 à 40% d'élèves qui iront dans les filières générales du lycée. Qui pourrait être opposé à la meilleure réussite des enfants de milieu populaire? Qui peut être opposé à la prévention du décrochage qui les touche massivement? Personne, bien sûr. Mais dans une période de crise économique, sociale, où la lutte pour les places est plus âpre, eh bien la fraternité nécessaire pour la réussite scolaire de tous se heurte inévitablement à des intérêts particuliers qui n'ont pas forcément envie que l'école se transforme. Les dysfonctionnements de notre école qui ne parvient pas à réduire les inégalités, eh bien ces dysfonctionnements ne nuisent pas à tout le monde. La méritocratie a une face claire pour ceux qui en bénéficient et une face sombre pour tous les autres. Il faudra du temps pour réduire les écarts aussi considérables. Mais prendre le temps nécessaire ne signifie pas agir de façon cosmétique et avancer à petits pas ne signifie pas avancer sur des points mineurs. C'est le sens des réformes de fond qui sont engagées, d'autres devront suivre. Monsieur le Président, en 1992, était publié un premier rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire » dont l'auteur était le recteur Philippe Joutard qui est dans cette salle. Je le salue. 23 ans après, dans un contexte d'aggravation des inégalités sociales et scolaires, notre mission rend un nouveau rapport sur le même sujet. La résistance à la démocratisation de la réussite est donc très forte. Est-il permis de former le vœu qu'il ne sera pas nécessaire de commander à nouveau un troisième rapport dans 23 ans pour constater les mêmes problèmes? Osons donc être inégalitaires en moyens pour être égalitaires en réussite. Et au fatalisme, préférons la solidarité pour une école inclusive et la réussite de tous les élèves. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Delahaye. La parole est à Madame la rapporteure, Madame Marie-Alette Grard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ose dire chers amis parce qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes que nous avons rencontrées lors de nos auditions, de nos visites, et beaucoup d'amis d'ATD Quart-Monde. Chers collègues, j'ai choisi de démarrer ce temps de plénière par la présentation d'un court film en introduction de nos travaux, car il s'agit ici d'un remarquable travail sur projet d'élèves d'une classe de 3e du collège de ce nom de l'Académie de Bordeaux. Dans cet avis, nous recommandons notamment de multiplier les travaux communs par projet, car ils favorisent l'acquisition des savoirs, valorisent les compétences de chacun et développent l'estime de soi. Cette classe de 3e est considérée comme la classe des élèves les plus en difficulté de ce collège. Ils avaient la contrainte de réaliser un film de 3 minutes sur l'un des résistants qui rentre au Panthéon le 27 mai prochain. C'est l'une des 4 vidéos lauréates du concours Vidéo Panthéon 2015 lancé par le ministère de l'Éducation nationale à cette occasion. Les élèves et leurs professeurs seront donc présents à la cérémonie du 27 mai dont vous avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure au Panthéon. Vous avez en main les paroles écrites par les élèves. Vous allez découvrir sans aucune surprise que cette vidéo est sur Geneviève de Gaulle-Antonioz qui rentre au Panthéon le 27 mai prochain. Geneviève de Gaulle-Antonioz a siégé dans cette maison et c'est pour moi aujourd'hui une très belle façon de lui rendre hommage. À 13 ans, tu connaissais Hitler et ses idées, tu avais l'humain quand le nazisme te querait. À 20 ans, horreur, j'avais ton pays, la France. En bail écrasé, tu as choisi la résistance.
Vichy tapait les terroristes, mais fiers d'être rebelles. Tu combattais la peur pour la liberté immortelle. Les cartes diffusées, des affiches arrachées. Des collabos t'ont dénoncé, la Gestapo t'a arrêté. Je ne veux pas reconnaître ton nom. Celui qui général, qui t'a porté sur ses épaules, tu étais si fier de ce nom. Antonio Esteve, je ne veux pas reconnaître ton nom. Celui qui général, qui t'a porté sur ses épaules, tu étais si fier de ce nom. Ce 20 juillet 43, ta vie a basculé à la prison de Fresnes, enfermée, isolée. Et puis ce train t'a déporté sur le chemin de la mort. Vers ce camp de Ravensbrück, vous voulez ton corps? Briser les femmes, détruire leur âme. Mais malgré les corps décharnés et les regards sans flamme. Par l'amitié, la douceur d'une main serrée, briller dans cet enfer, la lueur de l'humanité. Je ne veux reconnaître ton nom, celui du général qui t'a porté sur ses épaules. J'étais si fier de ce nom, Antonio de Gaulle. Je ne vais pas reconnaître ton nom, celui du général qui t'a porté sur ses épaules. J'étais si fier de ce nom, Antonio de Gaulle. Depuis la guerre, tu as vécu dans cette France libérée. Pourtant, ce n'était pas la France dont tu avais rêvé. Cette misère, dans l'école, tu avais si. Tu refusais qu'elle tue des pauvres aux portes de Paris. Dénoncer la vie gauvine, la pauvreté immonde. C'était ça ton nouveau combat pour ATD Carmonde. La vie n'est rien quand on n'a plus la liberté. Mais peut-on être libre quand on n'a plus sa dignité? Je ne veux pas reconnaître ton nom, celui du général qui t'a porté sur ses épaules. J'étais si fier de ce nom, Antonio de Gaulle. Je ne veux pas reconnaître ton nom, celui du général qui t'a porté sur ses épaules. Tu étais si fier de ce nom, Antonio de Gaulle. Les travaux qui ont conduit à l'élaboration de cet avis ont été originaux à plusieurs titres. En effet, pour la première fois, une section du CESE a accepté de travailler en croisement des savoirs avec un groupe mis en place par Mes Soins. Ce groupe était composé de 5 chercheurs, 5 parents solidaires, 5 enseignants, 5 acteurs de quartier et 10 parents qui vivent au quotidien les difficultés de la grande pauvreté. Ce groupe est venu avec la section lors d'une journée d'audition à Mons-en-Barœul, audition d'une école, de chercheurs de l'Université de Lille et d'acteurs de quartier. Puis ce groupe croisement a travaillé tout d'abord en parallèle de nos travaux sur les comptes rendus de nos auditions en section. Dans un premier temps, il s'est retrouvé 2 journées complètes pour travailler par sous-groupe de pairs, chacun réagissant aux auditions qu'il avait lues et relues. Dans un second temps, l'ensemble du groupe croisement s'est attaché à préparer 6 sujets qui émergeaient des travaux. 6 sujets qu'il nous semblait important ensuite de discuter avec la section éducation, dont le sujet relations parents-école et un autre qui dit bien ce que nous cherchons avec cet avis. Et pourtant, ça ne se fait pas. Durant 3 réunions communes, membres de la section éducation et membres du groupe croisement, nous avons travaillé en croisant nos savoirs, en croisant nos expériences, nos pensées, nos réactions. À chaque réunion commune au CESE,
deux sujets étaient présentés par des membres du groupe Croisement aux membres de la section. Puis nous avions un temps de réaction et d'échange par petits groupes. Enfin, une écoute de tous les points de vue. Ces travaux ne furent faciles ni pour le groupe Croisement, ni pour les membres de la section. Il nous a fallu dépasser nos a priori, dépasser nos jugements trop hâtifs, accepter de changer nos méthodes de travail, de réflexion. Ainsi, un collègue m'a partagé : je n'avais jamais expérimenté le travail coopératif. Ce n'est pas facile, mais c'est vraiment intéressant. Ces trois réunions de section avec le groupe Croisement ont fait émerger des propositions, des préconisations communes. La section seule ne serait sans doute pas allée jusque-là. Je vous invite à les entendre. Tous les parents, ils veulent la réussite pour les enfants. Tous les parents ont quelque chose à apporter à l'école. Pour que tous les parents osent entrer dans l'école, il faut voir tous les parents comme des partenaires. Il faut les écouter et qu'ils puissent prendre leur place à l'école. Les enseignants doivent être formés à accueillir et à travailler avec tous les parents. La relation parent-enseignant ne va vraiment pas de soi. Chacun a peur d'être jugé par l'autre. Il faut apprendre à se connaître et à construire ensemble cette relation. Quand un enfant a des difficultés, il faut travailler ensemble. Parents, enfants et instituteurs. Il est important que les enseignants respectent l'intimité des familles et ne soient pas intrusifs. Certaines questions peuvent être blessantes et n'aident pas à comprendre l'enfant. Il ne faut pas parler des difficultés d'un enfant devant tout le monde. La confiance, c'est très important. Pour qui et pourquoi ? Pour les enseignants, les enfants et aussi les parents. Quand un enfant se retrouve à l'école pour la première fois, il perd ses repères, il a peur, il perd sa confiance. Alors l'enseignant doit aller vers l'enfant, le rassurer, lui parler, pour qu'il retrouve son assurance. Sa confiance. Je me suis trompée. Enseignants et parents, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Il n'y a pas de dialogue. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de rencontres pour que les parents et les enseignants puissent se faire confiance, se parler, échanger. Puis, par la suite, la confiance, elle se fera dans le temps. Regardez-nous, le croisement du savoir. Nous, le petit groupe, nous avons appris à nous connaître par des petits jeux. Puis, on a parlé ensemble, on a échangé, et la confiance, elle est venue naturellement. Le travail qu'on a fait, tout ce temps-là, par des petites scénettes, Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment instaurer la confiance entre enseignants, élèves et parents ? Comment ça peut être possible ? Et ça peut tenir à des petites choses, hein, comme par exemple confier à chaque élève une responsabilité, donner le droit à l'erreur, laisser un peu le temps d'y arriver, écouter.
Bien sûr, c'est dur pour les enseignants de faire confiance à tous les élèves, à tous les parents, parce que c'est prendre un risque auquel ils n'ont pas été formés. Mais c'est dur aussi pour les parents, parce qu'ils peuvent avoir très peur. Au fond, accepter ou même envisager de faire confiance à l'autre, qu'il soit élève, parent ou enseignant, c'est aussi à la fin gagner en confiance en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas un cercle infernal, mais c'est plutôt un cercle vertueux. Les enseignants doivent avoir une bonne formation pédagogique. Ils ne doivent pas bourrer le crâne des enfants à coups de programme. Ils doivent plutôt leur apprendre à découvrir par eux-mêmes afin de leur donner l'envie d'apprendre. Les enseignants doivent avoir une bonne formation humaine. Avoir des relations humaines, c'est très important. Savoir écouter les enfants, leur donner la facilité à la parole. Et surtout, écouter ce qu'ils ont à dire et prendre en compte ce qu'ils disent. Et une chose que je voudrais souligner aussi, c'est pour les parents. Il faut savoir écouter les parents et ne pas parler sur le dos des parents. Il faut toujours essayer de se comprendre les uns les autres et essayer de savoir quand il y a un problème. Car les parents, c'est très important aussi. Et c'est ensemble, en travaillant, qu'on peut y arriver. Sur les moyens de se former, et sans entrer dans les détails, il nous a semblé qu'il y avait deux moyens privilégiés. D'une part, les échanges entre enseignants pour les aider autant qu'il le faut à se remettre en question, parce que se remettre en question, c'est le moyen de faire face aux difficultés qui sont normales, qui sont inévitables dans le métier. Et d'autre part, utiliser les échanges entre enseignants et parents pour se former ensemble à l'écoute et au respect, apprendre ensemble, apprendre les uns par les autres, l'écoute et le respect. Avec Jean-Paul Delahaye, nous avons auditionné au CESE, au ministère, dans 8 académies, plus de 200 acteurs de l'éducation. Et sur les 59 préconisations de l'avis, nous avons une vingtaine de préconisations en commun. Jean-Paul Delahaye a permis des auditions, des rencontres peu habituelles pour une rapporteure du Conseil économique et social. Rencontres formelles et informelles avec des recteurs, des rectrices, des directeurs académiques des services de l'éducation nationale, des inspecteurs. J'ai également assisté à des heures de classe, à l'école élémentaire ou au collège. Et le grand intérêt de nos travaux communs est qu'il nous a permis d'avancer et de creuser la réflexion bien au-delà de ce que nous pensions même au départ. Jean-Paul Delahaye m'a ouvert les portes de l'institution, je lui ai ouvert celles du CESE, celles d'ATD Quart-Monde et de mon expérience de compagnonnage avec les plus pauvres depuis plus de 30 ans. J'ai beaucoup appris à tes côtés, Jean-Paul, et je t'en remercie vraiment. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'ensemble, nous irons présenter nos travaux aux quatre coins du territoire. C'est la première fois, je crois, Monsieur le Président, qu'un ministre demande un travail croisé entre un ministère et le CESE, ça pourrait donner des idées aux autres. Avec mes collègues de la section éducation, que je remercie vivement pour leur implication et la richesse de leurs apports, nous avons pu auditionner et rencontrer, entre autres, des enseignants, des parents, des chercheurs qui ont alimenté notre réflexion. Les écoles et les collèges que nous sommes allés rencontrer, que nous avons auditionnés dans leur très grande majorité, sont des établissements ordinaires de notre école républicaine. Ce ne sont pas des lieux d'expérimentation avec des élèves particuliers. Cet avis vient bien dans la suite des travaux de la section éducation, culture et communication sur les inégalités à l'école, rapport et avis de Xavier Naud de 2011, puis sur la loi de refondation de l'école
de la République de juillet 2013. Nous sommes partis du constat que dans de multiples lieux, des écoles, des collèges, cette question de la réussite pour tous est prise en main. Des enseignants, des équipes éducatives, des familles, des associations, des élus, de nombreux partenaires de l'école se mobilisent par des initiatives de toute nature. Je tiens à saluer ici le remarquable travail des enseignants, des équipes éducatives que nous avons rencontrées, auditionnées, visitées et qui n'ont de cesse de chercher des solutions, de nouvelles ouvertures pour que la réussite de tous soit possible et surtout pour qu'aucun enfant, aucun élève ne soit laissé de côté. Nous avons rencontré au cours des visites et des auditions des enseignants soucieux de comprendre et d'avancer ensemble, entre collègues et parfois avec des partenaires. Partout, les enseignants étaient en recherche et leurs travaux menés en équipe portaient le souci, la volonté de n'oublier aucun élève sur le bord du chemin. La vie le rappelle, notre système scolaire est terriblement inégalitaire. Études et rapports en grand nombre le démontrent. Si vous êtes un enfant d'une famille qui vit dans la pauvreté en France, vous avez très peu de chances de réussir à l'école. Le constat est là. La situation ne peut plus durer. Il nous faut comprendre pourquoi et trouver comment faire cesser ce gâchis humain inacceptable. Représentante d'ATD Quart Monde dans cette maison, j'ai tenu à ce que des parcours scolaires d'enfants, de familles qui vivent au quotidien les difficultés de la grande pauvreté fassent l'objet de notre réflexion et aient leur place dans cet avis. Ils mettent le doigt sur l'inégalité de notre système scolaire. Ils témoignent de l'injustice faite une fois de plus à ceux qui ont le moins. En lisant ces récits, on se rend compte que les enfants de familles très défavorisées sont orientés, sont affectés dès le plus jeune âge, dès la maternelle, vers des filières spécialisées ou du handicap. Cette orientation se décide sur la base d'un volet social. Mais de quel droit pourrions-nous orienter un enfant sur d'autres critères que des critères scolaires ? Ainsi, il n'existe pas de volet social pour orienter les enfants en classe à horaires aménagés musique. Eh bien, nous préconisons dans cet avis que le volet social soit retiré. Nous voulons une école de la réussite de tous, une école où aucun enfant ne reste sur le bord de la route. Alors, nous basons les préconisations de cet avis sur trois fondements. Une école inclusive, une école où la mixité sociale et scolaire est une situation normale, et une école pour laquelle la politique publique soutient et évalue les initiatives. Pour cela, nous devons actionner différents leviers. Tous les parents doivent être convaincus qu'une école de la réussite de tous est possible. Tous les parents. Faire réussir tous les élèves ne compromet en rien le niveau et la réussite des meilleurs élèves, au contraire. Quand tous les élèves travaillent ensemble dans un même but de réussite, sans avoir l'obsession d'être meilleur que l'autre, tous acquièrent des compétences qu'ils n'auraient jamais pu développer en restant entre eux. Intelligence humaine, savoir regarder, écouter l'autre, être capable de faire découvrir et comprendre à l'autre un savoir que l'on vient d'acquérir. Il est indispensable que la compétition qui laisse sur le bord de la route plus de 150 000 jeunes chaque année cesse pour donner une vraie place à chaque élève, lui permette de développer les capacités qui sont en lui afin qu'il devienne lui aussi un acteur à part entière de la société de demain. Nous proposons dans cet avis que soient développés les espaces parents dans les écoles et les collèges, dans le respect du rôle de chacun. Un soutien à la formation des parents dans leur rôle de délégués,
nous semble également très important. Nous proposons qu'un professeur des écoles ou de collège, un directeur d'école, un principal qui arrive pour enseigner dans un territoire où il n'habite pas, qu'il ne connaît pas, puisse disposer d'un temps de découverte de ce quartier avec des élus, des acteurs de ce territoire et des parents d'élèves. Prendre le temps de se connaître, de se comprendre, d'appréhender la vie dans ce territoire pour ensuite être plus à l'aise avec les élèves dans l'établissement et dans la classe. Les liens avec les parents d'élèves, pour des moments formels ou informels, se feront ensuite bien plus naturellement. Parler des liens enseignants-parents d'élèves m'amène à vous parler de la formation. La formation des enseignants est essentielle. Comment imaginer un métier qui n'aurait pas de formation initiale et pas de formation continue ? À la suite de la loi de refondation de l'école de la République de juillet 2013, les ESPE, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, sont revenues, et avec elles, une vraie formation initiale des futurs enseignants. Nous faisons ici des propositions de formation complémentaires pour les enseignants en devenir dans les ESPE. Les futurs enseignants doivent avoir de vrais bagages pédagogiques et humains avant de démarrer leur métier. Nous soulignons également l'importance de la formation continue. Je parlais des parents à l'instant. Imaginons un jeune enseignant de 24 à 26 ans, en début d'année scolaire. Il accueille les parents des élèves de sa classe, alors qu'il n'a pas été formé à la compréhension des différents milieux sociaux et culturels de ses élèves. Mais dans quel désarroi doit-il être ? Dans quelle panique doit-il se trouver ? Cette formation des enseignants à la compréhension des milieux sociaux et culturels qu'il rencontre est vraiment essentielle pour la réussite de tous. Les chercheurs le soulignent souvent, un enfant qui perçoit un conflit entre ses parents et son enseignant se retrouve lui-même dans un conflit de loyauté qui l'empêche d'apprendre. Toutes les pédagogies ne se valent pas pour construire l'école de la réussite de tous. Excusez-moi. Toutes les pédagogies ne se valent pas pour construire l'école de la réussite de tous. Elles doivent être évaluées à l'aune de leur capacité à entraîner tous les enfants, tous les jeunes, dans un plaisir d'apprendre. Elles doivent aider l'enseignant à affronter l'échec d'un ou plusieurs de ses élèves, sans être tenté de les confier à des dispositifs extérieurs à la classe. Dans tous les établissements visités au cours de ces derniers mois, les enseignants étaient dans une position de chercheur. Chercheur de ce qui permettra à tous les enfants de leur classe de réussir, de comprendre, chercheurs de méthodes pour travailler ensemble, mais également des enseignants qui prennent le temps de se regarder les uns les autres, qui analysent leurs pratiques pour aller plus loin. Les enseignants rencontrés ont tous une grande liberté pédagogique, liberté exigeante, mise au service de tous les élèves. Liberté ayant nécessité de leur part beaucoup de recherches et d'inventions. Ces enseignants ne nous ont pas exposé des théories. Ils ont raconté les déroulements de divers moments d'apprentissage pendant lesquels ils avaient le souci de n'abandonner aucun élève à l'ennui ou au décrochage. La loi donne des temps pour les apprentissages. Les temps de l'école et du collège sont divisés en cycles de 3 ans. La maternelle est un cycle à part entière où il convient de respecter le temps de l'adaptation de l'enfant à ce monde scolaire. Puis, l'enfant a 3 ans pour apprendre à lire et écrire. 3 ans pour apprendre la multiplication et la division. 3 ans qui ne le contraignent pas à une liste des savoirs
qu'il doit avoir acquis à chaque âge de sa vie. Il s'agit donc de bâtir la progression des apprentissages sur une durée de 3 ans, correspondant au cycle, et non sur la durée habituelle de l'année. Ce qui suppose une étroite collaboration entre les professeurs. Pour combattre l'ennui, le décrochage, la perte de sens, il nous semble important de souligner combien la pédagogie doit être explicite. Tout enfant, tout jeune, doit pouvoir comprendre l'enjeu des apprentissages qui lui sont proposés. Nous avons visité de multiples lieux où les pédagogies coopératives sont utilisées. Elles ne sont pas la seule voie, mais reconnaissons que dans une classe coopérative, il est vraiment très rare qu'un élève ne trouve pas sa place. Dans tous ces lieux, les élèves coopèrent sans qu'aucun ne soit laissé de côté. Ils sont actifs, ils cherchent ensemble, ils apprennent l'autonomie. Un point primordial également, l'évaluation. Comment évaluer sans décourager ? L'évaluation doit pouvoir établir un état objectif des compétences et des savoirs acquis. Elle peut mettre en évidence les progrès réalisés ou possibles. L'évaluation donne à tous des repères communs. Engager les élèves sur la voie de l'auto-évaluation les responsabilisera et leur permettra de devenir pleinement acteurs de leur orientation. La démocratie s'apprend à l'école. Avec bonheur, nous l'avons vu en acte dans des écoles et des collèges. Des lycéens ont été auditionnés en section éducation. Nous faisons une magnifique démonstration de l'apprentissage démocratique enseigné par leurs professeurs. Je vous invite à regarder cette audition sur le site du CESE, réussite de tous, le CESE.fr. Il nous semble essentiel de mettre en place des temps de parole des élèves dans un cadre soigneusement préparé par les enseignants, que ce soit pour réfléchir à un sujet concernant leur vie personnelle ou pour bâtir un projet dont ils auront la responsabilité collective ou pour élaborer un règlement. Ces temps construisent les futurs citoyens. En leur révélant combien leur propre parole est importante, en leur apprenant l'écoute, le respect et le respect de la parole de l'autre. Rappelons qu'un moyen simple de gommer les inégalités sociales à l'école est de permettre à tous les élèves de trouver dans le temps éducatif les ressources et les moyens d'effectuer leur travail personnel. Comment essaimer au plus grand nombre ces bonnes pratiques qui permettent la réussite de tous? Je me suis permis ce petit clin d'œil pour la gouvernance qui est assez présente dans la tribune et je les salue. Parce que pour la réussite de tous, nous avons besoin d'une gouvernance. C'est vraiment la gouvernance qui est la clé de la réussite de tous. Et la réponse à cette question est plus particulièrement entre les mains des directeurs, des principaux de collège, des IEN, des inspecteurs pour les écoles primaires, des IAIPR, les inspecteurs pour les collèges. Ils sont les animateurs pédagogiques. Ils sont les facilitateurs des échanges entre les établissements, les soutiens aux initiatives. Ils sont ceux qui garantissent aux enseignants le cadre dans lequel ils pourront inventer, chercher au profit de tous les élèves. Ces métiers d'encadrement nécessitent une formation à l'animation d'une équipe et au travail collectif. Si l'on veut permettre aux enseignants de travailler en équipe, dans une volonté de recherche constante, il est nécessaire d'ouvrir 2 réflexions. La première, sur la reconnaissance et la valorisation de leur travail, qui va bien au-delà de la délivrance d'un savoir, surtout s'ils sont porteurs de projets innovants. La deuxième, sur leur évaluation, actuellement trop centrée sur l'évolution de leur carrière, alors qu'elle pourrait être un moteur dans leur travail individuel et dans leur travail d'équipe. En soutien à la pratique quotidienne dans les écoles et les collèges,
il est souhaitable de renforcer les liens entre la recherche et les enseignants. L'éducation nationale pourrait lancer un appel national à la recherche. Et il serait intéressant de développer dans les établissements des recherches-actions en lien avec les universités. Je ne peux terminer cette intervention sans m'adresser à vous, collègues de l'Outre-mer, parce que nous avons pensé à vous tout au long de nos travaux. La situation de l'éducation dans les territoires ultramarins est parfois terrible, toujours préoccupante. Je n'ai pas pu me déplacer dans ces territoires, mais j'ai eu des témoignages de la situation dramatique du 101e département français qu'est Mayotte. Il y a une vraie urgence pour que tous les enfants de Mayotte bénéficient d'une scolarisation à égale dignité d'un autre département français. Nous avons eu une longue réunion téléphonique, Jean-Paul Delahaye et moi-même, avec des enseignants, des parents qui vivent dans la grande pauvreté à La Réunion. Et vous le verrez dans la vie, ils nous ont apporté une longue contribution à laquelle je tenais beaucoup et que j'ai mis dans la vie. Je tiens ici à les remercier pour le gros travail qu'ils ont effectué pour participer à cet avis. Je tiens à remercier particulièrement Osgul et Régis, ils se reconnaîtront. Ils ont été à mes côtés, fidèles d'un bout à l'autre. Je remercie et salue les amis du groupe Croisement. Vous avez transformé notre travail. L'école de la réussite pour tous est une école qui permet à chaque jeune, dans tous les territoires, de s'insérer pleinement dans la société, d'être acteur, chercheur, responsable, autonome, de se former à devenir citoyen dans une démocratie. Tel est le sens des préconisations de ce projet d'avis que j'ai eu l'honneur de présenter aujourd'hui au nom de la section Éducation, Culture et Communication. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la rapporteure, et je crois aussi un petit clin d'œil pour celles et ceux qui ont fait les dessins et qui illustrent de façon extrêmement Saint-Exupérienne. Ce sont des illustrateurs pour enfants, me dit Madame Marie-Hélène Grard. En attendant la venue de Madame la ministre, je voudrais saluer, et je les en remercie, ici la présence de Monsieur Yves Durand, qui préside une commission qui a eu le plaisir de nous accueillir, Monsieur le Président d'Acosta, Monsieur Xavier Lo et Marie-Hélène Grard et moi-même, pour une édition extrêmement riche. Et nous avions mesuré à quel point vous aviez le souci de réfléchir aussi à ce défi de l'école pour tous. Je voudrais aussi saluer Madame Valérie Gore, qui est revenue des questions gouvernementales et qui s'occupe de la relation parents-école, sujet majeur. Et puis Madame la vice-présidente du Sénat, je suis ravi de saluer Madame Carton, qui nous fait le plaisir d'être souvent présente et attentive aux travaux du CESE, et nous réjouissons de ce partenariat avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je voudrais aussi souligner à ma gauche M. Éric Moulinier, qui est le président de la commission éthique du groupe EDF, mais que j'ai eu aussi l'occasion de côtoyer à de nombreuses reprises sur la problématique de l'inclusion et de l'école pour tous. Sans plus tarder, ayant salué aussi le représentant de la recteur de Creil, je crois, qui était là, qui est parti en tribune, et toutes celles et ceux qui nous ont beaucoup aidés à l'élaboration de ce travail collaboratif. Sans plus tarder, je demande au groupe de bien vouloir s'exprimer. Le premier d'entre eux, au nom du groupe des entreprises, la parole est à Madame Danielle Dubrac. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chère Marie-Alette, le sujet que nous évoquons ce jour est capital pour l'avenir des jeunes et déterminant pour le développement de notre pays. Madame la rapporteure, en faisant témoigner les parents, des jeunes et des enseignants dans des groupes de parole,
Vous êtes sortis des sentiers battus des auditions du CESE. Ce fut enrichissant, car nous avons entendu et pris conscience de l'ampleur de l'échec scolaire, des conséquences sur la vie personnelle, familiale, voire affective de ceux qui le vivent. C'était criant de vérité. Nous partageons, Madame la rapporteure, les préconisations que vous faites relatives aux jeunes issus de milieux de grande pauvreté et ceux qui sont discriminés du fait de leur situation de handicap. Cependant, l'avis ne nous semble pas apporter une réponse suffisante à la problématique du titre « Une école de la réussite pour tous ». En effet, nous pensons que nous aurions dû aller plus loin en apportant des solutions plus pertinentes au regard des défis qui se posent à notre système éducatif, et ce, dès le plus jeune âge, et notamment sur les points suivants. Le socle des connaissances, la formation des enseignants, l'orientation et l'intégration dans le territoire. Le socle des connaissances. Il est essentiel de remettre au premier plan les fondamentaux que sont l'orthographe, la lecture, l'écriture et le calcul. Ceux qui sont en échec scolaire sont aussi ceux qui ne se retrouvent pas dans le système classique. Or, pour ces jeunes, il convient de leur proposer des alternatives qui leur permettront de se réaliser autrement. Des modules de base ludique pour démystifier le concept entreprise sont par exemple à créer. La formation des enseignants. Il nous paraît essentiel de renforcer la formation des enseignants à la pédagogie, car la transmission du savoir à l'élève est un élément clé de la réussite de celui-ci. Plus encore, l'enseignant doit être formé de façon continue à la maîtrise des outils numériques qui favorisent l'innovation pédagogique. L'orientation. Il faut faire en sorte qu'elle ne soit plus subie. Il nous paraît important que les élèves ne soient pas seulement jugés sur les seules matières académiques, mais également sur des aptitudes et sur des compétences extrascolaires. Et enfin, l'intégration dans le territoire. Le territoire est un lieu de vie en ce sens où le jeune y est scolarisé. Les adultes y exercent une activité professionnelle. Nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser cette proximité école-entreprise, tant pour l'enseignant que pour l'élève. Une véritable formation par alternance doit être repensée avec tous les acteurs, entreprises, collectivités territoriales, enseignants, parents, afin de proposer aux jeunes des parcours qui les préparent vraiment à une intégration dans le monde professionnel. En conclusion, et malgré le fait que le groupe des entreprises partage les préconisations que vous faites, il considère que le sujet aurait nécessité une approche plus globale et propose de mettre à l'ordre du jour de la prochaine mandature une nouvelle saisine qui embrasserait l'ensemble des problématiques évoquées. C'est pourquoi le groupe des entreprises s'abstiendra lors du vote. Merci, Madame Dubrac. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à Madame Sylvia Graz. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, très chère Marie-Alette, je voudrais te dire tout de suite que je voterai cet avis. Alors, Madame Grasse, pouvez-vous baisser le micro pour que l'on puisse mieux vous entendre ? D'accord. Baissez-le, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Je voterai cet avis que je partage complètement et auquel j'adhère. Je voudrais juste plaider pour que nous puissions favoriser la fonction de l'imagination et de la créativité qui sont aussi des leviers pour apprendre. Le rôle de l'imagination ne semble pas fondamental pour des apprentissages portant sur des programmes dont les contenus sont définis à l'avance. Par contre, son rôle est incontournable si ces apprentissages incluent la réalisation des individus et leur créativité au sein de leur société. L'imagination est un passage obligé, associé étroitement aux autres activités de l'esprit humain. C'est ainsi qu'on devient acteur de son apprentissage. Pour avoir longtemps travaillé auprès d'élèves porteurs d'un handicap, j'ai pu constater à quel point cette fonction joue un rôle important dans leur évolution. Officiellement, l'imagination n'entre pas dans le contenu des apprentissages les plus nobles, dans le sérieux des didactiques. La logique, la mémoire restent considérés comme les fondamentaux de la cognition ou de l'intelligence. Si certains élèves s'adaptent, d'autres restent en mal d'apprendre. Et l'on voit apparaître dans les classes des phénomènes allant de l'ennui sporadique jusqu'à la phobie scolaire en passant par l'absentéisme. Ce sont des facteurs de risque que l'on doit prévenir.
C'est dans cette perspective que s'inscrit une contribution à la recherche d'une pédagogie intégrant la fonction socialisante de l'imagination qui pourrait être associée à d'autres ressources. La transmission éducative et sa dimension éthique et culturelle se situent alors nécessairement hors des logiques du conditionnement. Et la motivation, c'est-à-dire la raison humaine d'apprendre, demeure, qu'on le veuille ou non, liée à une incoercible puissance de rêver qu'il faut reconnaître et accompagner à nouveau, car c'est elle qui permet la recherche individuelle et collective du sens. Rendre à l'imagination la place qui lui revient ne signifie pas qu'il faut multiplier les disciplines, alourdir les programmes ou fabriquer des produits exceptionnels. Il est temps d'éveiller toutes les compétences humaines pour que chacun se saisisse aussi bien du monde des idées que de celui des sentiments, des émotions, des sensations. Il nous faut former des esprits au doute, à la rencontre, à la multiplicité des points de vue, à la recherche de la vérité. Le foisonnement des informations, l'hypercomplexité du monde font désormais de chaque homme un créateur de son savoir. L'école et la classe sont donc des lieux privilégiés où vont se jouer positivement ou négativement la construction et l'équilibre des individus au sein d'une société plongée elle-même dans un contexte aux multiples dimensions. L'enseignant joue le rôle de passeur, assurant la recréation du savoir qui devient connaissance par interaction. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité de la classe, des formations ou des apprentissages comme lieu de projet socioculturel ? Apprendre à connaître, à faire, à être, à comprendre l'autre sont, comme l'affirmait il y a quelque temps un rapport de l'UNESCO, les quatre piliers qui pourraient permettre, en resanctuarisant l'école, d'offrir à nos sociétés et à nos enfants le droit de rêver à un avenir plus heureux car plus humain. Merci. Cela implique nécessairement l'idée d'offrir à chacun sa place, et cette recherche centrale ne peut se construire sans respecter l'équilibre de l'homme, c'est-à-dire de tout homme. Merci, Madame Graz. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à Monsieur Gérard Raschieri. Je vous signale qu'il n'y a pas d'amendement sur votre texte. Monsieur le Président, chers collègues, chère Marie-Alette, réfléchir sur les conditions à créer pour que notre système éducatif assure... Un peu... levez le micro. Il faut que je remonte. Je reprends, excusez-moi. Réfléchir sur les conditions à créer pour que notre système éducatif assure effectivement à tous le droit à une éducation de qualité et permette à tous de réussir a été depuis le début de notre mandature une constante dans les travaux de notre section. Ce projet d'avis constitue un nouvel apport à cette démarche. Son originalité réside dans la façon d'aborder la question en regardant ce qui se fait sur le terrain, en regardant les innombrables initiatives que l'on y rencontre en faveur d'une école de la réussite pour tous, et en essayant d'en tirer des leçons, non pas pour prescrire de façon descendante une énième réforme ou un quelconque bon comportement, mais avec l'idée que les équipes doivent pouvoir s'en emparer en étant soutenues, encouragées, accompagnées par l'institution et par la recherche. Je n'énumérerai pas les multiples points d'accord, mais je veux citer par exemple ce qu'il dit de la nécessaire mixité sociale, de la formation, de l'importance de la recherche, du rôle des parents et de la nécessité de tous les accueillir. En revanche, je souhaite insister sur quelques conditions de la réussite. En premier lieu, je veux souligner que la façon dont on peut mettre en œuvre une école inclusive s'accompagne nécessairement d'une tension. Tension entre un idéal et une réalité complexe qui fait qu'il n'y a pas de réponse univoque ou uniforme. La question des SECPA ou celle de la scolarisation des enfants handicapés qu'évoque le rapport en sont des exemples. Cette tension est normale. On ne peut s'en sortir que par un débat professionnel qui permette de trouver des solutions adaptées tout en ayant en point de mire l'objectif partagé. Ensuite, je pense que toute démarche de progrès doit s'interroger sur le travail des personnels. Pas seulement les conditions de travail, mais aussi le contenu même de ce travail.
il importe de se poser la question des conditions à remplir pour que ceux-ci, les personnels, trouvent dans les modalités qu'on leur propose non pas une source de dégradation ou d'alourdissement, mais une vraie plus-value pour leur travail. Non pas un encadrement tatillon et une accumulation de prescriptions, mais un espace de vraie liberté pour exercer mieux leur métier de concepteur et de praticien réflexif. Cela implique une troisième condition, un vrai dialogue social, où la parole des personnels à travers leurs représentants ne soit pas conçue comme un obstacle à contourner, mais comme l'expression de professionnels qu'il faut prendre en compte pour progresser. Je terminerai en disant que certes, l'école ne peut pas tout si la société reste marquée par les discriminations et la pauvreté, mais pour autant, elle doit tout faire pour jouer pleinement son rôle et être un vrai levier pour la réduction des inégalités. C'est ainsi que, selon moi, il faut comprendre ce projet pour lequel je voterai. Merci, Monsieur Esquéri. Au titre de la CFDT, la parole est à Monsieur Albert Ritzenthaler. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chère Marie-Alette, cet avis ne dit rien sur le nombre d'heures de latin ou d'allemand. Rien sur les disciplines, rien sur l'orthographe non plus. Il ne traite, excusez du peu, que de la réussite de tous. Et nous devons nous en féliciter. L'écho médiatique qu'il suscitera témoignera sans doute de l'intérêt réel que notre société porte à cette question. La portée de cet avis ne se limite pas en effet à la découverte des expériences et aux préconisations qui en découleraient en termes de bonnes pratiques. Sa méthode de construction a été originale à plus d'un titre, cela a été rappelé. La parole a été donnée notamment aux familles les plus éloignées du système scolaire. Il a pointé quelques graves dysfonctionnements. Citons par exemple l'affectation en SECPA qui relève parfois de critères sociaux ou la dimension ségrégative de structures spécialisées qui ne favorisent ni l'inclusion ni le vivre ensemble. Trois débats qui ont d'ailleurs émergé dans le travail de la section traversent cet avis. D'abord, aujourd'hui encore, dans l'attente de la mise en œuvre de la refondation, l'école continue à trier, exclure, et reste encore structuré pour faire d'abord réussir les meilleurs. Il ne s'agit évidemment pas d'en faire porter la responsabilité sur les personnels de l'éducation nationale, ni de nier les effets des inégalités sociales aggravées par un chômage de masse qui perdure. Mais il démontre que l'élitisme républicain, qui fonctionne très bien dans la reproduction des élites, n'est ni juste, ni équitable, ni même efficace, au regard des dégâts qu'il provoque et des enjeux d'une société de la connaissance. Ensuite, s'il n'est évidemment pas question d'adapter les enseignements aux désirs des élèves, la réussite de tous passe par la prise en compte de ce que maîtrise déjà chacun et intègre la réalité sociale et culturelle de son environnement. C'est à ce titre que les fameux « devoirs à la maison » créent une discrimination que l'égalité républicaine ne devrait plus tolérer. Enfin, le système bloqué, où rien ne sera jamais possible, est contredit par les expériences décrites. L'école de la réussite de tous existe, elle fonctionne, en différents endroits, et la rapporteure nous l'a fait découvrir. Cet avis décrit et analyse les nombreuses pratiques, démarches, projets, expérimentations à l'école et en collège, parfois mises en œuvre depuis fort longtemps, en insistant sur les raisons de leur succès. Engagement des équipes pédagogiques, collaboration étroite avec les collectivités, les associations de quartier, les associations complémentaires de l'école et bien sûr les parents. Degré d'autonomie dans l'organisation des écoles et collèges, soutien actif des cadres de l'institution, formation des personnels, etc. Les préconisations visent à faire essaimer ces dispositifs qui ne réclament ni des moyens considérables, ni même des bouleversements finalement du système éducatif. C'est ce que doit intégrer une véritable politique publique, c'est ce que pourrait constituer un acte 2 de la refondation de l'école si la volonté politique est celle de la réussite de tous. La CFDT votera cet avis. Merci, Monsieur Ritzenthaler. Au titre des professions libérales, la parole est à Monsieur Bernard Capdeville.
Monsieur le Président, Madame la rapporteure et chers amis, Mesdames, Messieurs, triste constat en France que celui d'une école qui renforce les inégalités dues à l'origine sociale ou culturelle des enfants. 20% de nos jeunes ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de base à l'entrée en sixième. C'est pour notre société un réel handicap. Le défi majeur que l'école doit absolument relever n'est pas nouveau. Pour qu'elle soit celle de la réussite pour tous, l'école ne doit abandonner aucun enfant au bord de la route. Les auditions ont tenté de montrer comment surmonter l'obstacle du déterminisme social en sortant des schémas classiques. En rappelant que l'école n'est pas le seul lieu d'éducation des enfants, la vie remet au cœur du débat la place privilégiée que doivent occuper les parents. La vie rappelle combien il importe de prévenir les difficultés scolaires dès la maternelle, qui doit constituer un bon départ pour les enfants dans leur parcours scolaire. Vivre une première expérience scolaire réussie et permettre un accrochage cognitif et culturel juste, par opposition à décrochage, évite de trop lourdes conséquences pour l'élève et l'adulte en devenir. Par ailleurs, si la question de la personnalisation des parcours, de l'attention portée au développement de chacun est primordiale, dans ce parcours, il faut y intégrer l'orientation, mais veiller à ce qu'elle ne soit pas trop précoce, qu'elle soit réversible et qu'elle intègre la découverte du monde économique et professionnel. L'école ne peut pas réduire les inégalités économiques et sociales des familles, mais en tant que lieu social, elle doit davantage s'ouvrir aux parents, aux collectivités territoriales pour développer des synergies. Comme le souligne la vie, la clé de la réussite éducative repose aussi sur le dialogue des parents et des enseignants à l'école. Il s'agit de les sensibiliser davantage à l'importance de l'acquisition du savoir, voire de les accompagner s'ils sont démunis. Leur rôle est fondamental dans le développement cognitif et social de leur enfant. L'école doit chercher en permanence à dispenser des pédagogies innovantes, mieux adaptées aux besoins et acquis de chaque élève, précise la vie. Certains enfants vont plus vite que l'autre. Évitons ce regard normatif qui consiste à vouloir que les élèves soient tous au même niveau, sous la même toise, au même moment et au même âge. Le qualificatif juste a pour nous deux dimensions. Celle de la justice, c'est-à-dire un traitement égal pour tous, mais aussi celle de la justesse, c'est-à-dire un traitement adapté à chacun. La vie a raison de rappeler que l'école devrait être un lieu d'apprentissage permettant à chaque élève de se concentrer sur sa propre progression. Enfin, le métier d'enseignant est devenu très technique. Il y a nécessité d'un effort de formation initiale et continue. On sait beaucoup de choses en pédagogie ou en didactique, mais il y a une épaisseur d'humanité dont il ne faut pas se départir pour comprendre certaines choses. On sait combien la grande difficulté scolaire débouche à son tour sur la grande difficulté économique, sociale et personnelle. Une des conditions de la réussite de tous est le plaisir d'apprendre, ce qui n'exclut pas l'effort, ni la confiance que l'enfant doit acquérir en ses propres compétences et la confiance qu'il doit acquérir dans les autres. En ces temps polémiques où semble se jouer davantage le sort des politiques que celui des enfants, il est bon de s'en remettre à un avis de cette nature. C'est à ce titre que le groupe Les Professions Libérales le votera. Merci, Monsieur Capdeville. Au titre de la CFE-CGC, la parole est à Monsieur Jean-Claude Delage. Partant du constat déjà mis en lumière dans le cadre de la vie intitulée « Les inégalités à l'école » présenté en septembre 2011, que l'école peine à réduire les inégalités dues à l'origine sociale ou culturelle des enfants, le présent avis s'attache à imaginer une école de la réussite pour tous. Énoncer que l'école doit devenir le lieu de la réussite pour tous et déjà admettre l'idée que cela n'est pas le cas aujourd'hui. Pour réussir ce projet ambitieux, il est impératif de mobiliser toutes les énergies dans l'école, mais aussi à l'extérieur du milieu scolaire et sur l'ensemble des territoires. C'est la philosophie générale de la vie que l'on ne peut que partager. Au-delà de rappeler l'existant, inégalités scolaires, décrochage et échecs scolaires, difficultés pour l'école d'être le lieu de la réussite, difficultés pour les acteurs, manque de moyens et parfois absence de vision prospective institutionnelle, cet avis vise à l'améliorer, l'existant. L'école doit devenir le lieu de la construction de l'individu. Cela passe par l'engagement constant de tous les acteurs, parents, élèves, enseignants, mais aussi pouvoirs publics. Cet avis met en évidence certaines bonnes pratiques qui existent sur les territoires de la République. Nous partageons l'idée qu'il faut faire connaître et encourager les dispositifs et les initiatives visant à transformer l'école en un lieu de réussite pour tous. Les exemples pris et détaillés dans cet avis illustrent parfaitement ce qu'il convient de faire. En s'inspirant des expériences menées et décrites dans les témoignages présentés, il est possible d'imaginer une autre vision de l'école et donc de l'enseignement, de la maternelle au lycée, de la campagne à la ville, ce pour tous les élèves.
on peut retenir une certaine originalité dans cet avis, qui vise à démontrer qu'il existe des expériences d'écoles émancipatrices, et il est évident que ces schémas se sont développés dans le cadre d'une école inclusive, instrument majeur de la lutte contre le décrochage scolaire. Je souhaite citer ici une définition reprise dans l'avis concernant l'école inclusive, qui demeure un objectif prioritaire aujourd'hui, mais l'était sans doute hier aussi, du moins dans les principes. Une école inclusive est une école qui évolue constamment et qui renforce ses capacités pour prendre en charge la diversité. Car il s'agit bien de prendre en compte les diversités pour faire de cette école un lieu de réussite. Diversité sociale, diversité culturelle, diversité géographique, mais aussi diversité liée au handicap, par exemple, celle-ci doit aussi être intégrée. Tant sur le constat que sur les préconisations, cet avis prend largement en compte les orientations et revendications développées par notre Confédération à l'occasion de la concertation nationale engagée dans le cadre de la refondation de l'école. Ainsi, la CFE-CGC défend une position proche des réalités vécues sur le terrain par l'ensemble des acteurs, parents, élèves et enseignants. Dans le cadre d'une école plus juste pour les territoires, notre Confédération préconise de développer la mixité sociale et culturelle dans les territoires, mais aussi dans les établissements et dans les classes. Ceci apparaît dans l'avis, au même titre que l'idée que nous défendons d'ouvrir des classes sur leur quartier, ou le fait de favoriser l'innovation pédagogique en adaptant la pédagogie à l'hétérogénéité des élèves. Impliquer davantage les élèves dans les projets d'établissement est aussi une préconisation partagée. La CFE-CGC, comme la rapporteure, préconise la mise en place de partenariats plus étroits avec le milieu associatif, bien sûr, sportif et culturel particulièrement, mais aussi avec le monde économique. Cela peut se traduire par l'intervention de chefs d'entreprise dans l'école et la mise en place de stages de découverte en entreprise. Autre axe fort de l'avis et positionnement partagé, la lutte contre le décrochage et l'échec scolaire. La prévention du décrochage scolaire est aussi une priorité pour l'Union européenne. Les conséquences de cet échec sont lourdes, tant pour le jeune et sa famille que pour la société tout entière. Les préconisations de l'avis en la matière vont dans le bon sens. Afin d'éviter les décrochages, nous pensons qu'il faut éviter les choix d'orientation contraints. Merci, s'il vous plaît. Parce que, voilà. Précoce des élèves en difficulté. Malheureusement, je vois que vous avez dépassé plus d'une minute déjà. Besoin des élèves. Comme le président s'impatiente et c'est normal, j'ai presque terminé. L'avis indique des pistes qui rejoignent là encore nos préoccupations. La réforme doit avoir pour objectif de permettre à chaque enfant de trouver sa place et de s'épanouir dans le système scolaire, de bénéficier de méthodes d'enseignement adaptées à ses besoins et de pouvoir faire un choix d'orientation libre et éclairé. Une nouvelle fois... Attention, là, vous êtes à 1 minute 30 de dépassement. S'il est encore possible de l'améliorer davantage le système en proposant des outils de rescolarisation, en prenant en compte la gestion des rythmes éducatifs dans le besoin des élèves, mais aussi des familles, ou en développant de nouveaux schémas liés aux activités périscolaires. Non, merci, vous allez doubler. Attendez, vous allez doubler votre... Tenu de tout ce que je viens de dire, la CFE-CGC votera l'avis. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président. Désolé, 1 minute 45. Voilà, la parole est au titre de l'Outre-mer à Madame Marie-Claude Djibaou. Il était bavard. Monsieur le Président, Madame la Ministre n'est pas là, mais Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le constat est connu de tous, l'école française ne joue plus efficacement son rôle et renforce les inégalités sociales et culturelles. Par une démarche originale visant à faire remonter les expériences de terrain, le projet d'avis permet de mieux comprendre les mécanismes d'exclusion qui empêchent la réussite à l'école et notamment celle des plus défavorisés. En Outre-mer, la massification tardive de l'enseignement primaire, les conditions particulières d'exercice, l'insuffisance prise en compte des réalités locales dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques par les administrations concernées sont autant de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi le système éducatif ultramarin est moins performant et toujours en situation de rattrapage.
Le groupe de l'Outre-mer remercie la rapporteure d'avoir pris en compte ces réalités ultramarines, illustrées également par certaines expériences réussies, telles que celles développées au lycée agricole de Pointe-Boute en Nouvelle-Calédonie, autour de la promotion des langues vernaculaires et des cultures océaniennes. Dans ses recommandations, le projet d'avis fait référence à l'avis relatif aux défis de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins rapporté par notre collègue Eustache Jeanqui, en insistant notamment sur les points suivants. Le renforcement de l'offre scolaire par l'élaboration de plans spécifiques de construction, de rénovation et de rétrocession des bâtiments scolaires et des terrains aux communes. Le fait de rendre obligatoire pour tous les enseignants sur les territoires ultramarins en amont de l'année scolaire une initiation aux principales langues vernaculaires et aux cultures du territoire dans lequel ils travaillent. La nécessité de conforter les plateformes de suivi et d'appui aux jeunes décrocheurs en les rendant plus lisibles par l'identification d'un chef de file pour chaque territoire. Le groupe de l'Outre-mer considère qu'il s'agit là de quelques pistes concrètes qui permettraient de réduire le véritable décalage qui existe entre l'Outre-mer et l'Hexagone, tant en termes de besoins que de résultats. Le groupe de l'Outre-mer votera donc le projet. Merci, Madame Dubaou. Au titre des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, la parole est à Madame Marie Trélucane. Monsieur le Président, Monsieur l'Inspecteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers parents, enseignants, chercheurs du groupe Croisement, chère Marie-Alette. Notre groupe tient tout d'abord à féliciter la rapporteure pour l'originalité et l'ampleur du travail entrepris. L'interaction organisée avec les acteurs de terrain, enseignants et familles, ainsi qu'avec la mission de l'Éducation nationale, conduite par Monsieur Jean-Paul Delahaye, a été riche d'enseignements et nous a permis de réaffirmer avec force l'importance d'une école qui favorise l'épanouissement et l'émancipation de chacun. Dans le contexte de la refondation de l'école et de réforme du collège, ce projet d'avis vient utilement compléter l'avis sur les inégalités scolaires porté par notre Assemblée il y a quelques années et dont l'analyse est toujours d'une acuité criante. Parmi les principes forts rappelés dans ce projet d'avis, nous tenons à souligner celui consistant à réaffirmer l'éducabilité, entre guillemets, de tous les enfants. Toute personne, tout enfant a la capacité d'accéder au savoir et à la qualification. Au-delà d'un service public, l'école est le reflet de notre idéal en tant que société. Et cet avis est l'opportunité de rappeler la mission émancipatrice de l'école qui se doit de permettre la réussite de tous les élèves. Comme cet avis l'affirme avec force, il y a urgence à agir et à réformer un système qui ne parvient plus à tenir la promesse républicaine de l'ascension sociale. Cette responsabilité ne peut reposer sur les enseignants seuls. C'est l'ensemble d'un système qu'il convient d'interroger. Le projet d'avis met très bien en lumière le poids considérable des origines sociales dans les parcours scolaires, et ce, dès les premières années de scolarisation des enfants. Nous devons rompre avec ce système où tout semble jouer beaucoup trop tôt et en finir avec le caractère irrémédiable des sélections et orientations qui ponctuent très tôt la scolarisation des enfants. Le projet d'avis appelle à plus de souplesse dans les méthodes d'évaluation et dans les temps d'apprentissage. Il recommande de développer les pédagogies coopératives et encourage les enseignants à rendre les élèves actifs, chercheurs, capables d'autonomie, en s'inspirant de la recherche et des pratiques innovantes, notamment des pédagogies actives, et en utilisant les outils numériques. Notre groupe soutient ces propositions, finalement proches de celles que notre Assemblée portait il y a quelques mois sur l'enseignement supérieur. À tous les niveaux, nous devons développer des pédagogies qui valorisent les élèves, développent leur confiance en eux et leur capacité à analyser les situations et à exprimer leur point de vue. Dans ce contexte, les enjeux d'accompagnement et de formation des enseignants et professeurs sont primordiaux. Le projet d'avis propose de dédier un temps de la formation des nouveaux professeurs à la connaissance du territoire sur lequel ils vont enseigner, et de l'ensemble des acteurs du projet éducatif territorial. Il invite également à développer les co-formations entre les professionnels de l'enseignement, acteurs et animateurs du territoire. Nous soutenons ces propositions qui viennent par ailleurs réaffirmer la place essentielle de l'ensemble des partenaires de l'école, associations et parents notamment. Lutter contre les inégalités scolaires ne peut se faire sans l'effort de tous.
À ce titre, le service civique en cours de développement pourrait être utilement mobilisé pour développer des actions d'éducation au respect des différences, au vivre ensemble, par la mobilisation de jeunes adultes engagés sur ces questions, dans les écoles primaires, voire maternelles notamment, comme ont pu l'expérimenter les jeunes volontaires du programme Néo-Citoyens d'Unicité. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur du projet d'avis. Merci, Madame Pellucane. Au titre de l'agriculture, la parole est à Madame Monique Bernard. Monsieur le Président, chère Marie-Annette, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je voudrais vous remercier, Madame la rapporteure, pour la force de l'engagement que vous avez démontré à l'occasion de ce travail au service des jeunes en difficulté. Vous avez su ébranler nos certitudes avec des méthodes et des auditions différentes. Mais il s'agissait surtout, pour vous, de nous faire voir des situations que nous pensons connaître sous un angle tout à fait nouveau. Nous sommes persuadés, comme vous, que l'école doit permettre à tous les enfants de s'insérer pleinement dans la société, mais qu'aujourd'hui, les inégalités se renforcent. L'école est une priorité indiscutable de notre pays. Nous partageons pleinement les pistes que vous indiquez pour que l'école devienne une école de la réussite pour tous. Le groupe de l'agriculture est tout à fait sensible à cette question que nous traitons sous un angle particulier. La spécificité du monde rural mérite une prise en charge différente des écoliers des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir intégré dans ce texte quelques développements sur les territoires ruraux ainsi que sur l'enseignement agricole. Nous avons également apprécié le passage consacré aux maisons familiales rurales qui sont pour nous un partenaire essentiel. Vous me permettrez de revenir plus particulièrement sur l'enseignement agricole qui me tient à cœur. Je connais les efforts et les réussites des équipes enseignantes pour tirer vers le haut les élèves qui connaissent parfois de très grandes difficultés, auxquelles s'ajoutent des caractéristiques d'une grande partie du milieu rural, territoire enclavé, services publics et au public difficilement accessibles. Ces établissements sont en lien direct avec leur environnement économique et social et facilitent ainsi l'insertion des jeunes. Avec des effectifs souvent réduits et des enseignants porteurs d'initiatives, les élèves sont soutenus dans leur scolarité. Les difficultés sociales sont plus aisément repérées. Les classes de 4e et de 3e agricole sont tout à fait adaptées à des élèves auxquels le système scolaire classique ne correspond pas. L'enseignement agricole au collège permet d'éviter des ruptures définitives de ces jeunes avec la formation. Toutefois, tout comme dans le système classique, il faudrait, ainsi que vous le préconisez, renforcer et faciliter la participation des parents à la vie de l'école et ainsi de la scolarité de leurs enfants. Nous vous rejoignons pleinement dans toutes vos propositions visant à rapprocher les parents des établissements scolaires. Je veux renouveler mes félicitations pour le travail original et approfondi que vous avez porté tout au long de l'élaboration de ce texte. Merci encore. Merci, madame. Et l'agriculture votera. Au titre du groupe de Environnement et Nature, la parole est à monsieur Jacques Bell. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, chers collègues. Le constat sur notre système éducatif est sans appel. Non seulement il ne réduit pas les inégalités d'origine sociale ou culturelle, mais pire, il les accroît. La loi de refondation de l'école de 2013 s'est donné un défi majeur à relever, permettre à chaque jeune de s'insérer dans la société, d'être acteur, chercheur, responsable, et de se former à devenir citoyen dans une démocratie. La spécificité de ce projet d'avis est d'aborder la question de la réussite à partir des publics les plus défavorisés, dans le but de l'amélioration des résultats de tous, et pas simplement des élèves en difficulté.
Il fonde l'ensemble de ses préconisations sur trois principes qui nous semblent importants de rappeler. L'inclusion et non plus l'intégration de l'élève en respectant son rythme et son autonomie. La mixité sociale et scolaire, gage d'efficacité pour la réussite de tous. Une politique publique qui soutient et évalue les initiatives locales en y consacrant les moyens nécessaires. Nous souhaitons insister sur les préconisations suivantes. Premièrement, s'attaquer au problème des inégalités le plus en amont possible, donc dès la maternelle, et éviter ainsi de trop lourdes conséquences pour l'élève et l'adulte en devenir. Une attention particulière doit être portée sur les territoires où les inégalités sont déjà criantes, notamment ultramarins, ainsi que ceux qui ont une densité de population faible. Ensuite, ouvrir l'école à son environnement. Les différentes initiatives le montrent, la réussite va avec une meilleure intégration de l'école dans son territoire, en lien avec les différents acteurs, mais surtout avec tous les parents, sans exclusion. Cela passe aussi par des projets multipartenariaux pour développer compétences, savoir-être et savoir-faire au service de l'épanouissement des élèves et d'une citoyenneté active. Enfin, exploiter des pratiques pédagogiques innovantes. Je cite, « L'école ne doit jamais cesser de chercher le chemin vers les savoirs et les pédagogies les mieux adaptées à chaque élève. » Nous pensions particulièrement au travail en mode projet, à la pédagogie coopérative, à la classe inversée, etc. À l'encouragement de l'autonomie, la curiosité et l'esprit chercheur, notamment à travers les outils numériques. Le projet d'avis ne développe pas la question des moyens déjà abordée dans d'autres avis, elle est pourtant cruciale. Ça pose également la question de l'articulation du monde de l'école avec celui de la recherche. Pour finir, l'école de la réussite n'est-elle pas le premier pas d'une transition sociétale ? Permettre à notre société, par sa mixité et la diversité des parcours et des points de vue, de s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, nous paraît d'une grande évidence. Nous remercions Marie-Alette de nous avoir menés avec détermination et passion dans cette aventure très enrichissante. Le groupe Environnement et Nature votera le projet d'avis. Merci, M. Bell. Au titre de l'UNAF, la parole est à Mme Christiane Théry. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, chers collègues, Mesdames et Messieurs, certes, la méthode de travail fut atypique et originale, mais sans elle, nous n'aurions sans doute pas connu la richesse des témoignages de nombre d'enfants et de leurs familles. La grande pauvreté, définie dans le rapport de notre Assemblée en 1987 par le père Joseph Brzezinski, prend hélas tout son sens. Les inégalités à l'école persistent, puissent les préconisations de cet avis les faire disparaître et cesser de culpabiliser les familles. Le groupe de l'UNAF vous remercie, Madame la rapporteure, pour ce travail qui, même s'il n'est pas exhaustif, donne des repères, trace des pistes utiles pour que cesse l'éloignement de certains élèves et de leurs familles de l'école. L'avis cite l'expérience des maisons familiales rurales qui, dans son organisation, permet aux parents de prendre des responsabilités au sein de l'association et à participer à l'éducation de leurs enfants aux côtés des formateurs. Le présent avis constitue un inventaire détaillé des initiatives qui existent partout en France et qui visent à une école de la réussite pour tous. Nous souhaitons nous concentrer sur les recommandations tenant à la découverte et à la compréhension du milieu, sur celles qui visent à reconnaître les parents comme un maillon essentiel et enfin sur celles facilitant la mise en œuvre de pédagogies collaboratives. Le croisement des savoirs, des connaissances est indispensable pour faire évoluer les représentations. Les enseignants et les parents doivent réapprendre à s'écouter. Aujourd'hui, les deux se croisent, se méfient et communiquent peu. Parfois, s'affrontent, là où ils devraient collaborer pour le bien de l'enfant. Les conseils des écoles en sont témoins. Les parents présents sont ceux qui comprennent les codes de l'école.
L'ouverture de l'école ne signifie pas de développer des projets en dehors de l'école, mais de permettre à toutes les parties prenantes du fonctionnement de l'école d'y être accueillies. Cette ouverture est une clé de la réussite des enfants, voulue par tous les parents. Donner toute leur place, mais rien que leur place aux parents dans la vie de l'école, c'est la complémentarité de l'école et de la maison qui doit être mieux appréhendée dans la méthode éducative pour le bien-être des enfants et augmenter ainsi leur capacité d'apprentissage. L'UNAF est attachée à ce que dans l'école existe un lieu pour les parents. Il ne s'agit pas de laisser croire que les parents seront interventionnistes, mais de faire de ce lieu un moyen pour les parents d'échanger entre eux sur leurs préoccupations ou leur vécu. Cet avis a permis de se confronter à de nouvelles méthodes de travail très coopératives, dont le groupe de l'UNAF vous remercie et il votera le projet d'avis. Merci, Madame Christiane Théry. Je voudrais saluer en votre nom à tous l'arrivée de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui, aux côtés de Madame la vice-présidente du Sénat, de Madame la députée et de Monsieur le député, Monsieur Yves Derand. Nous apprécions, Madame, votre sens de l'écoute et de courtoisie, puisque vous avez souhaité écouter la totalité des groupes, puis intervenir après. Nous souhaitons aussi saluer l'intelligence d'un travail croisé entre l'inspecteur général, Monsieur Jean-Paul Delahaye, et notre groupe Marie-Alette Grard. Vous saluez aussi le fait que c'est un travail collaboratif. Vous avez pu entendre dans les différentes expressions que nous pouvons parfaitement avoir dans la République tous les débats, mais que ceux-ci doivent pouvoir nourrir une réflexion dans l'intérêt général supérieur des enfants, car nous avons indiqué qu'aujourd'hui, l'absence de République ou le silence de la République par rapport à l'espérance d'un certain nombre de jeunes peut amener les radicalisations et les violences les plus difficiles à gérer. Et donc nous sommes devant aujourd'hui non pas des positions idéologiques, mais devant un vrai défi de socialisation par l'école, d'égalité pour tous, avec un principe très clair, c'est que si nous avons réussi avec les plus fragiles et les plus éloignés de la vie citoyenne, à ce moment-là, ce sera un renforcement pour tous. La parole est à Madame, au titre de la mutualité, mais aussi du groupe Coopération, la parole est à Madame Pascale Vion. Madame la ministre, mesdames, messieurs, le constat est sévère, mais il est incontestable. Aujourd'hui, l'école ne parvient pas à combler les inégalités sociales. Pire, elle a tendance à les creuser. Face à ce constat, l'AVI s'attache à définir des pistes de réussite sur la base d'initiatives éducatives qui ont comme point commun de mobiliser l'ensemble des acteurs, élèves, parents, enseignants, personnel de vie scolaire et de santé, associations et collectivités. Définir l'école comme lieu social est essentiel aux yeux des groupes de la coopération et de la mutualité. L'école n'est pas isolée du social, au contraire. Elle est d'une part le lieu de la socialisation de l'enfant et d'autre part un lieu de dialogue entre l'ensemble des parties prenantes. Pour répondre à cette définition, une politique active visant à la mixité sociale et scolaire est indispensable à la réussite de tous. L'école doit en effet relever le défi de l'hétérogénéité et s'interroger sur son rapport avec son environnement social et territorial, en s'adaptant à la diversité culturelle et sociale des élèves qui la fréquentent. Au-delà du vivre ensemble, le projet d'avis nous invite à faire ensemble. Pour ouvrir l'école, il faut mettre en place une véritable pédagogie coopérative à tous les niveaux et accompagner les enfants par une refonte de la formation professionnelle, initiale et continue. Le projet d'avis insiste avec justesse sur ce point. Il recommande notamment d'inclure dans le programme des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, ainsi qu'en formation continue, des formations qui doivent porter à la connaissance des enseignants les pratiques éducatives innovantes et qui doivent leur permettre de découvrir les réalités sociales, culturelles, territoriales qu'ils pourront rencontrer. La mixité est aussi une chance pour l'école elle-même. En permettant de reconnaître et d'accompagner les différences, elle redonne à chacun un espoir d'avenir meilleur. Pour réduire les inégalités, c'est bien dès la maternelle qu'il faut agir. Les nombreux témoignages, à la fois de parents et d'enseignants, nous confortent dans cette analyse.
La question de l'orientation scolaire dans les classes spécialisées est aussi fondamentale. Elle se fait souvent de façon précoce et irréversible, ce qui est dénoncé dans la vie. Là aussi, il faudrait pouvoir informer plus largement les parents dans le cadre des décisions d'affectation et veiller au principe d'une école plus inclusive qui permet d'apporter des réponses aux situations des élèves à besoins éducatifs particuliers, quelle qu'en soit la cause. Comme le souligne le projet d'avis, l'école doit être un lieu de plaisir, d'apprendre, sans abandonner l'exigence du savoir, un lieu de la réussite pour tous. Renouer avec une véritable ambition éducative qui s'inscrit dans une vision inclusive de l'école relève de l'urgence. Les groupes de la coopération et de la mutualité remercient la rapporteure pour la richesse des témoignages qu'ils illustrent si bien les obstacles, mais ouvrent des pistes constructives et de réussite pour tous. Nous voterons l'avis à l'unanimité des deux groupes. Merci, Madame Dion. Au titre de l'artisanat, la parole est à Madame Marie-Christine Gauthier. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, toutes les études convergent pour attester les médiocres performances de l'école française. Elle ne remplit plus sa mission de permettre à tous les jeunes de maîtriser les savoirs fondamentaux à l'issue de la scolarité obligatoire. C'est ainsi qu'ils sont près de 140 000 chaque année à quitter l'école sans aucune qualification. La France est aussi le pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus sur le destin scolaire et cette situation s'aggrave chaque année. Renouer avec l'ambition d'une école permettant la réussite pour tous est un défi majeur, car c'est l'avenir social et professionnel des jeunes générations qui est en jeu et l'équilibre même de notre société. La rapporteure a choisi une méthode originale, s'appuyer sur le vécu d'une variété d'acteurs, enseignants, jeunes, parents, et comprendre comment des démarches innovantes ont réussi à lutter contre la fatalité de l'échec scolaire. Plusieurs caractéristiques communes se retrouvent parmi la diversité d'initiatives recensées. En premier lieu, toutes se basent sur des projets éducatifs et pédagogiques visant à reconstruire un rapport positif à l'école et au savoir. Miser sur le travail coopératif fait partie des stratégies permettant de rendre l'élève acteur et chercheur de connaissances, de susciter le désir d'apprendre et développer le sens des responsabilités. À cela s'ajoutent des évaluations qui encouragent et mettent en avant les projets de l'élève sans focaliser sur ses erreurs. Les expériences réussies ont par ailleurs toutes ouvert l'école sur l'extérieur. Ce point nous semble essentiel. L'école ne doit pas être un sanctuaire, même si elle reste un espace protégé, mais s'inscrire pleinement dans son environnement en se rapprochant des acteurs qui le composent, associations culturelles, sportives, professionnelles et entreprises, élus locaux, et bien évidemment les parents qui sont les premiers éducateurs. Avec chacun d'eux, l'école doit entretenir des échanges réguliers. C'est un moyen non seulement de croiser les savoirs de milieux sociaux et professionnels différents, de créer des complémentarités, de favoriser les synergies autour d'un objectif partagé. C'est un moyen aussi de développer des projets interdisciplinaires associant des partenaires extérieurs à l'école, de tels projets permettant aux élèves réticents face aux apprentissages académiques de valoriser des compétences différentes et de reprendre confiance en eux. Enfin, les succès de toutes ces initiatives ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une mobilisation collective, parents, équipe pédagogique, sous l'impulsion d'un chef d'établissement. Pendant longtemps, les réformes de l'école se sont traduites par une révision régulière des programmes, par la mise en œuvre de nouveaux concepts pédagogiques issus d'études théoriques. Or, cet avis témoigne que des stratégies locales concrètes peuvent replacer un établissement dans une dynamique de réussite et lui permettre de dépasser les difficultés sociales qui le caractérisent. C'est pourquoi il est primordial d'encourager ce type d'initiative et de diffuser celles dont les résultats sont avérés dans la lutte contre l'échec scolaire. Le groupe de l'artisanat approuve l'approche de l'avis de rechercher dans des expériences concrètes les éléments susceptibles de relancer l'égalité des chances au sein de notre système éducatif. Nous le votons. Merci, Madame Gauthier. Au titre de la CFTC, la parole est à Monsieur Bernard Ibal. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues,
La CFTC approuve cet avis très, très circonstancié. Vous voyez, je commence par la fin. Comme ça, vous pouvez ne plus écouter. Il aurait pu être banal. Or, précisément, cet avis est original, banal par la reprise du thème, est original par la pluralité de ses pistes et atypique dans sa forme. Il ne se contente pas de dire que, pour inclure, il faut d'abord faire se rencontrer et travailler ensemble tous les acteurs internes et externes de l'école. La rapporteure ne fait pas que le dire, elle le fait in situ, dans ses œufs, et les résultats paraissent positifs. Le challenge semblait une gageure. D'abord parce que, dans la mouvance de l'école, règne la méfiance. Méfiance des parents qui voient dans les enseignants les juges d'un tribunal qui décide de l'avenir de leurs enfants. Méfiance donc de cet enjeu de pouvoir. Méfiance des enseignants qui voient dans les parents des défenseurs de leurs enfants sans chercher à trop comprendre. Méfiance de tous à l'égard des hauts fonctionnaires de l'éducation nationale. Méfiance encore plus grande des parents en situation de grande pauvreté qui ont l'impression d'être rejetés et de ne pas comprendre. Méfiance des élèves qui sentent trop de difficultés et trop de pression, sans toujours bien saisir le but de ce qu'on leur demande et de ce qu'ils font. Comment inclure dans un croisement de compétences ce qui ne peut justement pas l'être? La rapporteure, Marie-Alette, a donné la preuve sur place que c'était possible. En 3 ou 4 séances surprenantes, la section s'est élargie simultanément à des chercheurs, des enseignants, des parents critiques mais à l'aise dans le cadre scolaire, des acteurs de quartier et de nombreux parents en situation de grande pauvreté. Il n'y a pas eu de grands discours, mais plutôt des jeux de rôle au prime abord déconcertants. Mais les conseillers sont activement entrés peu à peu dans le jeu par des techniques d'animation simples. Après un temps de méfiance réciproque, comme dans l'école, comme dans la vie de l'école, et malgré un certain aspect artificiel, la confiance est instaurée, les personnages sont devenus des personnes vivantes aux prises avec les réalités de l'école. Nous avons échangé sur la confiance et la méfiance entre les protagonistes de l'école, mais les paroles étaient portées par le vécu d'une confiance a priori improbable. Personne n'a parlé au nom des parents en situation de pauvreté économique et culturelle. Ce sont eux-mêmes qui se sont exprimés et leurs propos devenaient alors clairs pour tous. Alors, félicitations, Marie Alette, la CFTC votera cet avis. Merci, Monsieur Hibal. Au titre de l'UNSA, la parole est à Monsieur Luc Berille. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, dans un pays où la promesse républicaine de notre école est mise à mal, à la fois par le creusement des inégalités sociales que son fonctionnement génère et par l'éviction annuelle de 150 000 jeunes sans diplôme ni qualification, l'UNSA se réjouit de cet avis sur la réussite de tous les élèves, riches et de grande qualité, sur une thématique au cœur de nos préoccupations. Permettre une scolarité commune réussie pour tous est en effet un enjeu de société et, je le rajoute au nom d'une organisation syndicale interprofessionnelle, un enjeu central pour l'économie et l'emploi. Et la façon dont notre système scolaire prend en compte les élèves les plus fragiles est le meilleur critère pour en évaluer la qualité. Tous les élèves ont la capacité de réussir. Encore faut-il que notre système scolaire fasse en sorte de s'adapter à leurs besoins en travaillant avec les familles, en s'ouvrant aux partenaires. L'école doit être inclusive, souple et adaptable, sans jamais renoncer à assurer la maîtrise du socle commun pour tous à la fin de la scolarité obligatoire. Et pour relever ce défi, il est essentiel, comme le préconise l'avis, de privilégier les approches pédagogiques qui rendent l'élève acteur et constructeur de ses apprentissages, guidé et accompagné de façon efficace par les enseignants. Gardons-nous de médicaliser la difficulté scolaire. Soyons vigilants à ne pas amalgamer handicap et milieu social défavorisé. Pour être inclusive,
l'école doit développer à l'interne des dispositifs permettant d'agir au plus près des besoins identifiés, comme les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, les RASED, y compris hors de la classe, sur des temps limités quand cela s'avère pertinent. Attention aussi aux orientations précoces et irréversibles en cours de cycle. Si un accompagnement spécifique en sixième pour les élèves fragiles est souhaitable, on ne doit pas pour autant les orienter vers la SECPA avant la classe de cinquième. Et pour ne pas décider de l'orientation des élèves à la sortie du collège à leur place, il nous semble aussi que l'expérimentation en cours du dernier mot aux parents doit être suivie de près. L'UNSA soutient évidemment tout ce qui associe les parents et les élèves eux-mêmes à la vie de l'établissement et aux décisions qui les concernent. Le développement de la démocratie scolaire via des conseils d'élèves dès la primaire est à cet égard une préconisation importante. Il nous paraît également fondamental sur le plan social que le travail personnel des élèves soit aussi mené dans le temps scolaire et non relégué hors de l'école sous la forme de devoirs à la maison. D'autres moyens existent pour établir un lien avec les familles autour du travail de leurs enfants, comme par exemple le cahier des apprentissages qui peut servir de base aux échanges dans la famille sur l'école. Enfin, la formation des enseignants pour leur permettre d'être plus efficaces et de mettre en œuvre d'autres démarches pour une meilleure prise en charge des élèves issus de milieux défavorisés est indispensable. En guise de conclusion, j'ai emprunté au philosophe Alain cette réflexion que j'ai personnellement toujours affectionnée pour ce qu'elle garde, hélas, d'actualité dans les débats éducatifs. Je le cite. « Si l'art d'instruire ne prend pour fin que d'éclairer les génies, il faut en rire, car les génies bondissent au premier appel et percent les broussailles. Mais ceux qui s'accrochent partout et se trompent surtout, ceux qui sont sujets à perdre courage et à désespérer de leur esprit, c'est cela qu'il faut aider. Le contraste entre l'avis dont notre conseil est saisi aujourd'hui, soucieux des broussailles éducatives et sociales d'aujourd'hui, où s'accrochent encore trop de nos jeunes, et le triste spectacle suscité en ce moment par la réflexion sur une réforme du collège est de ce point de vue saisissant. Regardez la réalité en face pour faire vivre la promesse démocratique, assumer l'égalité républicaine, traquer l'injustice des conditions, en refusant une soi-disant fatalité qui ferait que l'on serait définitivement bon ou mauvais à 6 ans ou à 11 ans, celle qui devient la pire des servitudes si elle est intégrée par les individus comme une sorte de marque indépassable de leur prétendue infériorité, c'est la fonction de l'école. Réussir pour tous, c'est réussir ensemble avec tous, et c'est bien à l'école de s'adapter pour cela. L'entre-soi social, l'entre-soi culturel, l'entre-soi du savoir académique opposé aux compétences, toutes ces catégories d'entre-soi, fussent-ils matinées d'une petite ouverture à quelques méritants par une certaine vision de l'élitisme républicain ou de la charité, c'est le contraire de l'école républicaine et de la société qu'elle doit contribuer à construire dans l'intérêt général. Pour conclure, l'UNSA, bien évidemment, votera cet avis soumis à notre Assemblée. Allez. Oui, merci, M. Béril. Au titre de la CGT, la parole est à M. Lionel Marie. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Un mot d'excuse d'abord pour Claude Michel, membre de la section qui a activement travaillé et qui est actuellement retenu avec sa direction fédérale à Cannes dans le cadre de la préparation du festival, dont je rappelle que la CGT est cofondatrice. Concernant notre avis, merci d'abord à Marie Allette pour la démarche originale de mise en place d'un groupe contact constitué de parents, d'enseignants et de chercheurs qui, mélangés aux conseillers de la section, a su nous questionner et nous pousser à une réflexion approfondie. La CGT partage la philosophie du projet d'avis. Nous ne stopperons pas la montée des inégalités scolaires et sociales sans une réforme de fond, ambitieuse, du fonctionnement de l'école et dotée des moyens nécessaires. Nous insisterons sur trois points. Le premier concerne l'indispensable mixité scolaire et sociale. Les inégalités sociales sur les territoires se répercutent sur l'école. Couplées à des stratégies familiales d'évitement des établissements considérés comme difficiles et à une certaine concurrence entre les établissements, elles conduisent à des formes de ségrégation scolaire
où certains établissements concentrent de multiples difficultés. Pour parvenir à une réelle mixité scolaire et sociale, une volonté politique forte de repenser la sectorisation est indispensable. Cela passe par la mise en place de secteurs élargis, intégrant plusieurs établissements, permettant une régulation de l'offre de formation au service de la mixité. Le second point concerne la pédagogie. Toutes les pédagogies ne se valent pas pour la réussite de tous et toutes. Les pédagogies coopératives qui ne laissent aucun élève au bord du chemin ont fait leurs preuves. S'il n'y a pas de modèle unique, on devrait pourtant mieux faire connaître et appréhender les expériences et méthodes diverses qui ont prouvé leur fécondité, en particulier lors de la formation initiale et tout au long de la vie des enseignants. Cela permettrait un plus grand essaimage des pédagogies de la réussite pour tous. Enfin, troisième aspect, il est évident que des changements majeurs ne pourront se faire à l'école sans la pleine participation de tous ces acteurs et particulièrement des enseignants. Or, ceux-ci voient leurs conditions de travail se dégrader. Ils expriment leur réticence au changement du fait des injonctions multiples et souvent contradictoires liées à l'empilement des réformes. Les enseignants vivent cela souvent comme une remise en cause de leur liberté d'initiative et de leur liberté pédagogique. Une réforme réussie sera donc une réforme pleinement partagée par les enseignants dans ses objectifs comme dans ses moyens. Ainsi, le recours au bénévolat pour les projets scolaires ne peut plus durer. Il faudra penser la prise en compte dans le service des enseignants de tout le travail d'équipe, de concertation, des expériences pédagogiques menées afin de mieux reconnaître le travail effectué. Un dernier mot sur la nécessité de soutenir les équipes dans la conduite de projets artistiques, culturels et sportifs, vecteurs d'épanouissement et de réussite, de l'estime de soi, de la créativité et du plaisir à l'école. Vous l'avez compris, le groupe de la CGT votera le projet d'avis. Merci, Monsieur Marie. Au titre des associations, la parole est à Madame Bérénice Jon. Le groupe des associations tient avant tout à saluer la méthode atypique de construction de ce projet d'avis qui s'est faite en partenariat avec enfants, parents, équipes pédagogiques, chercheurs et partenaires de l'école. Nous souhaitons ici insister sur 5 éléments qui nous semblent essentiels pour la suite du débat sur la réussite de tous et toutes. Les auditions et visites de terrain nous l'ont confirmé, tout commence très tôt. Dès les premiers apprentissages, l'école ne peut ignorer les différents contextes dans lesquels évoluent les enfants. Ceci justifie une prise en compte des difficultés et un accompagnement adapté le plus tôt possible, et ce de façon inclusive, pour ne pas créer des groupes de niveau hermétiques les uns aux autres. Les échanges pédagogiques entre établissements, comme les projets communs entre classes de différents niveaux, visent précisément à réduire les inégalités à l'école. L'école inclusive est un élément essentiel pour nous. Celle-ci ne demande pas à l'élève de s'adapter, elle s'adapte à l'élève, même s'il est en situation de handicap, pour lui faire acquérir les connaissances, les compétences et la culture nécessaires afin qu'il puisse devenir un individu autonome et un citoyen responsable. Cette école inclusive implique une part de souplesse. L'enjeu d'une réelle liberté pédagogique est un autre élément central du projet d'avis. Elle suppose d'accompagner et d'encourager les équipes pédagogiques à expérimenter différentes façons de transmettre des connaissances et des compétences. Elle doit aussi permettre d'impliquer élèves et parents dans l'apprentissage et la vie de l'établissement. En outre, elle ne peut pas reposer sur le seul bénévolat des équipes pédagogiques. La vision d'une école ouverte sur la société nous apparaît essentielle. Cette ouverture doit se traduire dans un lien renforcé avec les parents pour qu'ils comprennent mieux comment leur enfant apprend à l'école et quelle place ils peuvent occuper dans ces apprentissages. Ensuite, les partenariats et actions avec le territoire et notamment les associations doivent permettre de développer davantage l'articulation entre éducation formelle et non formelle pour contribuer au développement de compétences, savoir-faire et savoir-être au service de l'épanouissement des enfants et d'une citoyenneté active. Enfin, le métier de professeur est un métier complexe, parce qu'il côtoie des réalités sociales variées, qu'il doit permettre aux élèves de grandir et de se construire tout en leur transmettant une quantité de connaissances et compétences qui n'a cessé d'augmenter. Pour donner à tous les élèves le goût et l'intérêt d'apprendre,
Pour favoriser l'estime de soi et ne laisser personne de côté, il est crucial d'enrichir certains volets de formation dans les programmes des ESPE, notamment à la connaissance du développement de l'enfant, des milieux sociaux, à la gestion des conflits, aux pédagogies coopératives et actives. Nous espérons que ce projet d'avis contribuera à ce que les pouvoirs publics soutiennent la naissance et l'épanouissement des initiatives locales, pour que ces dernières ne restent pas isolées ou limitées en nombre. Le groupe des associations salue l'important travail de tous les acteurs impliqués et approuve l'ensemble des préconisations. Il votera le projet d'avis. Merci. Merci, Madame Jean. Enfin, dernier orateur inscrit au titre de la CGT-FO, la parole est à Madame Françoise Nicoletta. Monsieur le Président, Madame la Ministre et Messieurs les Conseillers, chère Marie-Alette, FO tient d'abord à souligner l'écoute attentive et le travail difficile fait par Marie-Alette pour ce rapport particulier, la section ayant reçu de très nombreux et intéressants témoignages directs et indirects. Merci aux parents qui ont eu le courage de témoigner devant nous de leurs difficultés, ainsi qu'aux collégiens et lycéens auditionnés qui ont apporté la preuve que les difficultés sociales n'entraînent pas inéluctablement d'échecs scolaires. Ce projet d'avis se concentre sur l'enjeu de l'inclusion de tous, en particulier des enfants des milieux sociaux les plus défavorisés au sein du système scolaire. Partant du constat que les acteurs directement concernés, notamment enseignants, sont mobilisés en ce sens, il interroge certaines des politiques publiques défaillantes, à commencer celle des moyens consacrés à l'instruction publique obligatoire. Mettre fin aux fermetures de classes dans les zones rurales fait de ce point de vue partie des préconisations qui devraient être suivies des faits. Les moyens de transport ne peuvent être en effet considérés comme un substitut. Le groupe FO appuie l'attention apportée par le projet d'avis aux enfants souffrant de handicap ou de grandes difficultés scolaires, afin que soient dirigés vers les SECPA des enfants qui en ont réellement besoin au vu du parcours scolaire de chacun, sans considération du milieu social, afin que ces SECPA et leur financement soient maintenus, ainsi que les formations des enseignants et directeurs spécialisés. FO ne peut qu'appuyer l'accent mis sur l'importance de la recherche dans les domaines concernant l'éducation afin d'améliorer sans cesse la formation initiale et continue des enseignants. Il est aussi important que la formation des enseignants inclue une meilleure connaissance des milieux sociaux et culturels et la gestion des conflits. Réévaluer la situation des personnels en termes d'avancement et de salaire participe aussi de la reconnaissance que doit la collectivité à la mission d'enseignement et favorisera un plus grand respect pour l'école et les savoirs qui sont enseignés. L'école de la République ne peut être une variable d'ajustement permettant de faire des économies, pacte de responsabilité ou pas. France rurale, urbaine ou ultramarine, tous les enfants, quel que soit leur milieu de vie, doivent bénéficier de dispositifs adaptés permettant la réussite de tous dans une République une et indivisible. Si bien des expériences relatées mettent en valeur les initiatives positives que peuvent prendre les équipes enseignantes, FO demeure critique quant aux orientations de politique générale inscrites dans le moule de la dite refondation de l'école, tentant à généraliser l'autonomie locale au risque d'accentuer les inégalités territoriales, à diluer l'enseignement proprement dit au sein d'activités périscolaires, à transformer l'enseignant en animateur, à privilégier de pseudo-compétences au détriment des connaissances. La réussite pour tous, ainsi conçue ou ainsi nivelée, pourrait bien alors se transformer en un leurre pour les enfants ne bénéficiant pas de moyens particuliers plus favorables. C'est pourquoi, dans un tel contexte, tout en approuvant l'objectif affiché par le projet d'avis, FO s'abstiendra, considérant que l'on ne peut faire l'économie de la contestation des politiques éducatives actuellement mises en œuvre. Merci, Madame Nicoletta. Madame la ministre, ayant accepté normalement de parler après le vote, mais le groupe des entreprises m'ayant demandé une suspension de séance, afin de modifier ou d'expliquer leur vote, Madame la ministre, compte tenu de ces contraintes horaires, je vous invite maintenant à prendre place à la tribune. En vous remerciant à nouveau pour votre présence, nous sommes attentifs aux propos que vous allez tenir par rapport à cette méthode d'un travail croisé entre votre inspecteur général, M. Jean-Paul Delahaye, et la section d'éducation et la culture, et le rapporteur, Mme Marie-Alette Grard. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et permettez-moi de vous dire, sortant tout juste de l'Assemblée nationale, comme il est agréable d'être dans une assemblée aussi sereine que celle-là.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale, madame la rapporteure, chère Marie-Alette Grard. Notre pays vit une situation singulière, un peu comme s'il se détachait malgré lui de son identité profonde. Dans une société en crise économique et sociale depuis maintenant 4 décennies, la question de l'appartenance à la communauté nationale et les enjeux identitaires prennent progressivement le pas sur la question sociale, alors même que notre identité républicaine commune s'est justement construite sur le refus des distinctions en fonction de l'origine, du milieu social, du sexe, des convictions religieuses, et sur la conviction que l'égalité politique allait de pair avec l'égalité sociale. Au fil des années, en effet, à mesure que les politiques de solidarité se complexifiaient, empilaient les dispositifs, à mesure que de nouvelles formes de pauvreté atteignaient des salariés, des jeunes, des personnes âgées, que la peur du déclassement gagnait les esprits, le jugement de nos concitoyens sur les phénomènes de pauvreté n'a cessé de se durcir. Ainsi, alors qu'il n'était que 15% au moment de la création du RMI à considérer qu'il allait bénéficier à des « assistés », entre guillemets, qui ne le méritaient pas, sous-entendu, ce sont aujourd'hui plus des 2/3 de nos concitoyens qui portent un jugement de culpabilisation de la pauvreté. Notre République sociale, fondée sur la responsabilité et la garantie collective face au risque de la vie, c'est le sens même de la sécurité sociale, notre République sociale, donc, est aujourd'hui bouleversée par une idéologie dominante qui place la responsabilité individuelle face à la pauvreté ou à l'échec au-dessus de la responsabilité collective. Tout se passe comme si la compétition entre les individus devait désormais organiser nos vies, parfois en s'agrégeant à des identités collectives susceptibles de revendiquer tel ou tel avantage comparatif. Au cœur de cette matrice des rapports sociaux, la place de l'éducation est évidemment centrale. Nombreux, très nombreux, sont les chercheurs qui ont montré, à l'exemple d'Éric Morin, combien l'enjeu de la réussite scolaire des enfants détermine souvent les stratégies résidentielles, les choix d'établissement, les stratagèmes qui en effet favorisent l'entre-soi pour mettre à distance le supposé risque du nivellement par le bas, ou le symbole de condamnation à l'échec que représente souvent à tort un établissement par rapport aux autres. Et vous m'aurez compris, c'est la plupart du temps au collège que se nouent les enjeux, tant il est vrai que ce collège fonctionne aujourd'hui à 2 vitesses. Pour certains, qui théorisent la nécessité de l'inégalité, c'est le prix à payer pour garantir l'élitisme et l'excellence d'une minorité. Et toute réforme visant à donner les mêmes chances de réussite aux élèves ne répondrait en fait, selon eux, qu'à une détestation du mérite individuel. Cette théorie véhiculée est parfaitement incongrue au moment où, en réalité, c'est bien le niveau d'ensemble de tous nos élèves qui a baissé depuis 10 ans dans les matières fondamentales. Dans le système qui est le système de l'OCDE le plus marqué par le déterminisme social, le nivellement par le bas, qui tire vers l'échec les moins bons comme les meilleurs, c'est la pente actuelle de notre système éducatif qui s'est dégradée, pendant que celui des pays comparables autour de nous, lui, progressait. Si la réforme du collège est aussi décisive pour l'avenir de notre jeunesse, eh bien, c'est que, loin de fragiliser les meilleurs, elle propose enfin, 40 ans après la création du collège unique, de valoriser l'effort et le mérite de tous les élèves par des chances égales de réussite et un même accès à l'excellence, dans une ambition de démocratisation qui est au cœur de la mission que la République a confiée à l'école. Alors, vous comprendrez, en entendant ce que je viens de vous dire, combien je suis heureuse, vraiment, de pouvoir participer à cette séance exceptionnelle autour du projet d'avis intitulé « Une école de la réussite pour tous » présenté par Marie-Alette Grard, au nom de la section de l'éducation, de la culture et de la communication, présidée par Philippe Dacosta, ainsi qu'à la présentation par Jean-Paul Delahaye du rapport consacré à la grande pauvreté qu'il m'a remis hier. Ces deux rapports, qui ont de très nombreux dénominateurs communs, ont pour mérite partagé de réagencer la hiérarchie de nos priorités, de redonner leur place et d'une certaine manière leur dignité et leur voix aux oubliés du système scolaire actuel,
à ceux dont la fragilité sociale est trop souvent un renoncement à l'espoir, à ceux que l'absence même d'expérience de la mixité sociale empêche de se reconnaître dans des valeurs républicaines qui leur semblent tellement éloignées de leur quotidien. Alors oui, je veux vous remercier non seulement pour la très grande qualité de ces deux rapports, mais aussi pour l'engagement que vous avez manifesté, et le Conseil économique, social et environnemental avec vous, au service d'une vision de l'éducation qui se préoccupe d'abord des moins lotis, qui ambitionne en premier lieu de faire droit à l'exigence de Condorcet d'établir entre les citoyens une égalité de fait. C'est le premier but de l'instruction nationale. C'est l'ambition portée par la loi de refondation de l'école à laquelle vous avez contribué. Et je tiens à le souligner en présence d'Yves Durand, que je salue. Vos rapports sont moins une invitation qu'une exigence à approfondir ce mouvement de refondation de l'école, pour que l'école assume, assure pleinement pour chaque élève sa mission d'apprentissage des savoirs fondamentaux et de transmission des valeurs. Pendant trop d'années, la place, les missions de l'école ont été mises en cause. Ses moyens ont reculé. Sa capacité à transmettre nos valeurs fondamentales a été fragilisée. La mission des enseignants a été dévalorisée, cela a été dit. Et parfois, ce sont les élèves et leurs familles qui ont été culpabilisés. Et il faut que nous le disions fort, quand l'école recule, c'est la République qui est atteinte. La refondation de l'école a déjà permis de réelles avancées pour enrayer cette dérive, le rétablissement de la formation des enseignants, la création en cours de 60 000 postes pendant la durée de ce quinquennat, la priorité donnée au premier degré avec le rétablissement d'une cinquième matinée de classe, la relance de la scolarisation des moins de 3 ans, le nouveau programme de l'école maternelle qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine et donnera toute sa place aux premiers apprentissages de la lecture et de l'écriture, la prise en compte aussi du critère social désormais dans la façon dont on dote les établissements, ne pas se contenter de regarder les effectifs des établissements scolaires, mais regarder aussi leurs difficultés sociales pour leur donner plus quand cela est nécessaire. La réforme de l'éducation prioritaire, bien sûr. La refonte du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire. Tout cela, comme la nouvelle organisation du collège, est fait pour replacer l'égalité et la réussite au cœur des missions de l'école. Mais il faudra aller plus loin. Et vos travaux offrent des perspectives extrêmement riches pour y parvenir. Je vous l'avoue sans fard, j'ai été impressionnée par le travail complémentaire de construction de la vie et du rapport, qui partage d'ailleurs une vingtaine de préconisations, qui résulte d'un travail commun, mais aussi et peut-être d'abord, et je pèse mes mots, d'une même humanité dans le regard porté sur des situations concrètes, d'une même exigence d'étayer l'analyse sur l'empirisme des acteurs eux-mêmes, élèves, parents, équipes éducatives, associations, collectivités locales, même bienveillance et même respect à l'égard de chacun d'entre eux. Pas une phrase dont ressortirait je ne sais quel jugement, mais au contraire une multitude de témoignages, de citations, de descriptions de dispositifs ou d'initiatives qui disent et qui transforment les réalités du terrain. Et c'est ainsi, fidèle à la philosophie du mouvement d'ATD Quart-Monde, que la vie présentée par Marie-Alette Gras n'est composée, hormis ses propres préconisations, que de cette matière profondément humaine, grâce au nombre exceptionnel de déplacements, d'auditions que vous avez réalisées et à la création de ce groupe dit « croisement » qui a permis d'associer réellement, dans une égalité de considération, des parents en situation de fragilité sociale. Si je devais en retenir un, je ressortirais en particulier ce témoignage d'élèves du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, accompagnés par Christian Baudelot, qui ont dit devant la section éducation, culture et communication du Conseil économique et social, qui ont dit combien, je cite, « les élèves des milieux défavorisés ont l'impression qu'ils ne parviendront jamais à franchir le fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres ». Fermez les guillemets. Ils ont appelé à sortir de ces méthodes pédagogiques qui fabriquent de la passivité, à changer l'évaluation pour en finir avec la peur de l'échec, qui installe la concurrence, qui classe les élèves par niveau, qui les rend individualistes, parfois même insensibles à l'échec des autres. Mon Dieu, mais quelle lucidité!
Quelle lucidité ! Comment pouvons-nous ne pas entendre cela ? Et c'est aussi la force du rapport de Jean-Paul Delahaye que de rendre visible et même sensible la réalité endémique de la grande pauvreté à l'école. Dans un pays qui compte 1 enfant sur 10 en situation de pauvreté, je ne doute pas une seconde que ce rapport fera autorité, parce qu'il est, à ma connaissance, le premier à décrire avec autant de précision l'impact de la grande pauvreté sur l'école en général, c'est-à-dire sur la réussite des élèves, le travail des équipes administratives, sociales, éducatives, les relations avec l'environnement des établissements. Et je veux, à cet égard, saluer le dévouement et la solidarité exemplaire des personnels qui sont au plus près des difficultés quotidiennes rencontrées par les plus démunis et rendre hommage à l'engagement des collectivités territoriales et des associations aux côtés de l'école lorsqu'elles le font. C'est indispensable d'avoir ce panorama, cette analyse pour répondre. Répondre sur les différentes formes de fragilité liées à la grande pauvreté en milieu scolaire. Ces fragilités, c'est les apprentissages, bien sûr, c'est la vulnérabilité face au risque de décrochage, c'est les difficultés liées à la santé, au logement, à l'alimentation, aux vêtements, sans oublier les problèmes de concentration géographique des enfants issus de l'immigration, ou encore, vous l'évoquez, la situation des mineurs isolés étrangers. C'est en partant de ces réalités quotidiennes que votre rapport donne à voir des réalités qui échappent trop souvent à notre regard et trop souvent à l'attention des pouvoirs publics. Et le constat d'ailleurs que vous faites est sévère à l'égard des politiques passées, quand ils mettent en perspective, j'allais dire plutôt en abîme, des priorités budgétaires qui, au fil des années, ont aggravé les inégalités. Cette approche que vous avez eue, qui part donc du vécu, très micro, très qualitative, permet à vos deux travaux de formuler des recommandations d'une pertinence rare sur le pilotage des politiques publiques. Je n'entrerai pas ici dans l'exégèse de chacune de vos nombreuses préconisations, mais je veux vous dire combien j'adhère à l'essentiel et peut-être plus encore à la vision d'ensemble qu'elle dégage pour mettre l'école au service de la réussite de tous les élèves et particulièrement des plus fragiles. Je reviendrai toutefois, si vous me le permettez encore quelques minutes, sur quelques préconisations qui ont tout particulièrement retenu mon attention. D'abord, celle qui vise à amplifier les transformations pédagogiques. Comme l'a montré la fameuse courbe de Ekman, prix Nobel d'économie, plus l'investissement éducatif est réalisé tôt, plus il est efficient, c'est-à-dire efficace et moins coûteux. Sur l'enjeu fondamental de l'acquisition du langage, la recherche scientifique a aujourd'hui démontré que les écarts se creusaient le plus souvent dès la petite enfance. À 3 ans, un enfant en situation de pauvreté a entendu en moyenne 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu d'un milieu plus favorisé. On estime qu'à 4 ans, l'écart de pratique familiale du langage est d'environ 1000 heures selon les origines sociales et qu'à l'entrée au CP, à 6 ans, il existe un différentiel de 1000 mots maîtrisés entre ces enfants. Je rejoins donc évidemment et pleinement votre volonté d'aller plus loin dans la priorité accordée au premier degré dans la refondation de l'école. Oui, nous devons considérer l'objectif déjà ambitieux de scolariser 50% des enfants de moins de 3 ans dans les réseaux de l'éducation prioritaire plus. Nous devons le considérer comme un plancher et il faut veiller à aller encore plus loin. Oui, l'attention à l'école maternelle, qui s'est traduite, je le disais, par de nouveaux programmes qui ont d'ailleurs été adoptés à l'unanimité par le Conseil supérieur de l'éducation, l'attention donc à l'école maternelle ne doit pas se relâcher. Oui, nous devons poursuivre et piloter davantage le déploiement du dispositif plus de maîtres que de classes à l'école primaire. Oui, enfin, vous avez raison, il nous faut conforter les réseaux d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Dans la volonté manifestée par l'avis du Conseil économique et social de développer un traitement plus inclusif des difficultés scolaires, je rejoins votre souci de vigilance concernant l'orientation précoce vers des sections spécialisées, notamment au collège, et la nécessité de garantir en effet la réversibilité des décisions. S'agissant du diagnostic social, dont vous interrogez la pertinence à juste titre, la prochaine circulaire relative au SEGPA ne le maintiendra que lorsqu'il semblera pertinent, particulièrement lorsqu'un internat est envisagé.
Vos observations seront ainsi prises en compte parce que les questions que vous soulevez sont décisives pour les enfants et pour les familles concernées. L'avis du CESE, comme le rapport de Jean-Paul Delahaye, plaide, et je m'en réjouis, pour une école inclusive, capable de développer les pratiques pédagogiques innovantes, soutenues et évaluées par les politiques publiques. C'est le sens de votre recommandation commune, à laquelle je souscris, d'essaimer largement le référentiel pédagogique de l'éducation prioritaire, dont vous soulignez d'ailleurs le bon accueil par les équipes pédagogiques. Cette nécessité, issue du travail en réseau propre à l'éducation prioritaire, de porter une attention spécifique aux transitions entre les niveaux d'enseignement, de donner leur place et leur légitimité aux pédagogies explicites et fondées sur la coopération, aux travaux par projet, à tout ce qui stimule l'initiative, l'autonomie des élèves comme des enseignants, cette nécessité, elle est précisément au cœur de la réforme du collège, notamment avec la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. Je pourrais aussi évoquer ici l'éducation artistique et culturelle, je pourrais évoquer le numérique, dont vous soulignez, à juste titre, le formidable levier qu'il constitue pour faciliter les apprentissages et réduire les inégalités. De manière générale, je souhaite reprendre largement vos préconisations dès le premier degré, en rendant plus accessible, en soutenant la diffusion des pratiques pédagogiques innovantes qui ont démontré leur pertinence. Je pense à l'apprentissage de la lecture, mais aussi aux mathématiques, pour lesquelles je viens d'annoncer d'ailleurs une stratégie dédiée. Cette impulsion va supposer de notre part un effort considérable, à la fois en termes de formation et de rapprochement avec le monde de la recherche. Sur ces enjeux, le ministère ne part pas de rien. Il est engagé dans un travail de fond avec les universités pour réduire au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation la séparation que souligne Jean-Paul Delahaye entre formation disciplinaire d'un côté, académique, et tronc commun de la formation professionnelle. Oui, cela doit être enrichi, cette formation, dans les espèces d'une prise en compte éducative des réalités sociales des élèves. Et je retiens les propositions présentées par Marie-Alette Grard pour développer l'analyse de la pratique, élaborer des co-formations, initier des programmes de recherche afin de soutenir l'évaluation. Je veux ensuite évoquer ce qui constitue peut-être le cœur de vos travaux, c'est-à-dire la nécessité de faire évoluer les pratiques, les services, la hiérarchie budgétaire des priorités politiques pour mieux prendre en compte la réalité de la grande pauvreté à l'école. Comme l'a rappelé Jean-Paul Delahaye, notre école est loin d'être étanche aux réalités quotidiennes difficiles vécues par nombre d'enfants. Elle est à la fois un lieu d'observation, de repérage même privilégié, une forme de service social de premier recours et un levier pour faire reculer les conséquences de la pauvreté sur la réussite de tous les élèves. Qu'il s'agisse d'assurer pour tous les élèves le droit sans restriction d'accéder à la restauration scolaire, ce que prévoit une proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de proposer à chacun au cours de sa scolarité obligatoire le bénéfice d'un voyage culturel ou linguistique sans en être empêché pour des raisons financières, qu'il s'agisse de la vigilance à rappeler avec fermeté le fonctionnement des coopératives scolaires et les exigences pas toujours très raisonnables imposées aux familles sur les fournitures scolaires. Toutes ces préconisations, cher Jean-Paul Delahaye, cible des réalités quotidiennes essentielles. C'est vrai, trop d'élèves, trop de familles subissent ces petites hontes, ces humiliantes impossibilités d'accéder à une forme de droit commun ou de satisfaire à leur apparente nécessité, avec les conséquences que ça entraîne d'ailleurs pour l'élève comme pour ses parents dans la construction de sa relation à l'institution scolaire. La mobilisation souhaitée des corps d'inspection, le rappel des règles qui garantissent le caractère inclusif de notre école seront donc, vous pouvez compter sur moi, mises en œuvre. Et dans le même esprit, j'entends garantir l'attention que doit l'école à la situation particulière de l'outre-mer, dont vous parlez aussi. Je pense en particulier à Mayotte, où nous avons fait un effort sans précédent pour développer l'éducation prioritaire. Je pense aussi, il faudra poursuivre, à la prise en compte des élèves allophones, à l'accompagnement des mineurs étrangers isolés et à l'effectivité du droit à l'éducation, tout simplement. Mais au-delà des pratiques, vos travaux interrogent l'adaptation des services essentiels que sont la santé scolaire et le service social à la réalité de la fragilité sociale des élèves et de leurs familles. Ces services aujourd'hui sont non seulement sursollicités, mais ils ont vu leur mission évoluer.
À mesure que la pauvreté progressait et que les réponses des services sociaux traditionnels semblaient parfois s'éloigner. Aujourd'hui, ils constituent pour certaines familles une forme d'offre de premier recours qu'il nous faut renforcer en lien avec les acteurs du territoire. Vous le savez, l'éducation nationale compte aujourd'hui plus de 10 000 professionnels sanitaires et médico-sociaux. Un travail est d'ailleurs engagé pour mieux définir et reconnaître leur mission et pour donner et garantir davantage d'attractivité aux postes que nous créons. C'est essentiel parce que tout effort supplémentaire de notre part doit être au service du renforcement d'une action médico-sociale globale qui excède largement notre périmètre d'intervention. Ainsi, en cohérence avec la loi santé qui a été récemment adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, sachez qu'une circulaire va venir préciser le parcours éducatif de santé des élèves pour rapprocher la santé scolaire de la médecine de ville. Et je souhaite que vos propositions d'élargir les missions de la santé scolaire, comme de renforcer l'offre de services sociaux en l'étendant au premier degré dans les territoires urbains et ruraux défavorisés, je souhaite que ces propositions-là soient étudiées dans la réflexion interministérielle dédiée à l'égalité et à la citoyenneté qu'a impulsée le Premier ministre et qui est toujours en cours. La même nécessité de faire évoluer les pratiques et les services est à l'œuvre s'agissant des fonds sociaux des établissements et des bourses aux élèves, dont votre rapport, cher Jean-Paul Delahaye, pointe avec beaucoup de sévérité les évolutions des dernières années. Comment accepter, en effet, que des économies aient été réalisées entre 2001 et 2012 sur les crédits destinés aux pauvres, selon votre formule, dans un contexte de crise économique et sociale? Comment ne pas s'inquiéter du développement du non-recours aux bourses, ce phénomène qui touche massivement des prestations sociales aussi essentielles que le RSA ou l'aide à la complémentaire santé? Quand on mesure à la lecture du rapport les conséquences très concrètes de ces choix politiques passés, il y a de quoi partager l'indignation perceptible de l'auteur. Depuis 2012, nous avons revalorisé les fonds sociaux de près de 50%, soit 15 millions d'euros supplémentaires. De façon pragmatique, le budget actuel sera sanctuarisé et progressera vers le montant que vous préconisez, c'est-à-dire 70 millions d'euros, en fonction de l'évolution du contexte budgétaire. De même, si je m'attacherai à mettre en œuvre prioritairement les propositions visant à réduire le non-recours aux bourses, notamment pour simplifier les formalités d'accès, je considère que la question de leur revalorisation est à intégrer dans une approche globale qui inclut l'ensemble des mesures destinées au public fragile, comme nous l'avons fait avec l'éducation prioritaire où nous avons réalisé un effort budgétaire de 350 millions d'euros. Pour résumer mon propos à la gestion par dispositif, je veux continuer de préférer la stratégie complète de la refondation de l'école. C'est d'ailleurs le sens des préconisations très ambitieuses que vous formulez pour concentrer encore plus les moyens en direction des élèves vulnérables, en assumant, dites-vous, d'être inégalitaire en moyens pour être égalitaire en réussite. Je souscris à cette vision des choses, à cette politique, dont nous conviendrons qu'elle suppose une durée et donc un socle de consensus qui dépasse les échéances et les contingences électorales. Cette mise en perspective est très utile. C'est l'une d'ailleurs des grandes forces de votre rapport et de l'avis du CESE, parce qu'elle offre l'opportunité de construire à long terme cette vision pour l'école, cette vision de long terme qui a tellement fait défaut par le passé. Quelle que soit d'ailleurs la provenance politique des réformes conduites ou qui auraient dû l'être sans l'avoir été. Oui, aujourd'hui, nous devons avoir cette vision de long terme et nous dire que amplifier le rééquilibrage entre le premier et le second degré est une nécessité absolue. Déployer les moyens dégagés d'ici quelques années par le caractère exceptionnel du redoublement vers l'éducation prioritaire pour aller plus loin dans la baisse des taux d'encadrement, améliorer encore l'accompagnement des élèves les plus en difficulté, ce sont des priorités. Ces perspectives, elles sont essentielles pour atteindre cette école de la réussite pour tous, qui est le sens de la refondation de l'école. Il en est de même pour l'action déterminée que nous avons engagée en faveur de la mixité sociale au collège. Sans mixité sociale, la promesse républicaine d'égalité est absente du quotidien de trop d'élèves qui ne vivent même plus
l'expérience de la rencontre et du brassage social. Pour avancer sur ce chantier complexe, s'il en est, qui se heurte bien sûr aux réalités résidentielles, aux stratégies de contournement, pour avancer sur ce chantier, nous travaillons dans le sens de vos préconisations. D'une part, avec la mise en place d'indicateurs de mixité à l'échelle des établissements qui permettront un pilotage national et en même temps un pilotage de proximité de cette mixité. Et d'autre part, en engageant d'ici l'été un travail avec un certain nombre de conseils départementaux de tous bords politiques sur un redécoupage des secteurs communs à plusieurs collèges. Nous pourrons ainsi définir ensemble des critères d'affectation clairs pour les familles et prendre en compte l'enseignement privé qui est très attentif à ce sujet. C'est dans ce cadre que vos préconisations seront particulièrement fécondes parce qu'elles confortent notre stratégie en proposant de nouvelles pistes pour élaborer des chartes signées localement par les autorités académiques et les établissements privés et renforcer la nouvelle allocation progressive des moyens que nous avons mise en place et que j'évoquais tout à l'heure. Nous savons tous que l'affirmation de l'objectif de mixité se prête trop souvent aux déclarations péremptoires. Aussi, je veux vous dire ici à la fois ma détermination, mais aussi ma méthode, qui est de partir des réalités des territoires pour être efficace. Enfin, mesdames et messieurs, ce sera ma conclusion. Je vais vous dire combien je partage les préconisations des deux rapports, d'ailleurs, concernant la nécessité de fonder notre engagement pour la réussite de tous les élèves sur l'alliance de l'école et de ses partenaires. Nous avons clos ce matin même les assises de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République, que j'avais initiées au lendemain des attentats, en janvier. Plus de 80 000 participants, partout sur le territoire, 1 300 réunions qui se sont tenues. Ces assises ont été un formidable démenti à tous ceux qui théorisent aujourd'hui le fait que le 11 janvier dernier était une illusion collective. La réalité, c'est que cet esprit du 11 janvier, cet attachement viscéral aux fondamentaux de notre République et à la mission de l'école qui doit transmettre ses valeurs, eh bien, il est toujours là. Et que ce qui ressort de ces assises rejoint vraiment très étroitement la lettre et l'esprit de vos préconisations. D'abord concernant la place et le rôle des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, comme le rappelle Marie-Hélène Grard, qui doivent être respectés comme tels, quelle que soit leur réalité sociale. Il y a aujourd'hui un enthousiasme réel pour développer les espaces dédiés aux parents dans les établissements, pour multiplier les opportunités de rencontres et d'échanges avec les professionnels, alors pourquoi pas dans les rendez-vous de la réussite tels que les préconise Jean-Paul Delahaye, pour investir de nouvelles instances comme les comités départementaux d'éducation à la santé et à la citoyenneté dans le premier degré, que nous allons généraliser. Et comme vous, je pense en effet qu'il faut former les parents délégués et même réfléchir à la création d'un statut de parent délégué suivant la recommandation de la députée Valérie Corr. Un rapport détaillé en lien avec le ministère du Travail me sera remis à cette fin d'ici la fin de l'année scolaire. Je souhaite enfin que nous nous saisissions pleinement de l'opportunité de la généralisation à venir des PEDT, les projets éducatifs territoriaux, pour renforcer la capacité de l'école à adapter ses réponses dans la continuité entre les temps éducatifs scolaires et les temps périscolaires, à adapter ses réponses aux besoins de son environnement. Si l'école est un sanctuaire éducatif, comme le disait Jean Zay, elle n'en est pas moins un lieu de vie sociale qui s'enrichit de l'investissement des collectivités locales, de l'action des associations, de l'engagement des parents. Et les initiatives qui concourent à créer une culture partagée entre ces différents acteurs, en développant la co-formation, les actions communes, en renforçant l'accompagnement à la scolarité, l'animation d'un programme de réussite éducative, toutes ces initiatives devront être davantage soutenues et prise en compte dans les projets d'établissement scolaire. Cette volonté d'ouvrir l'école aux bonnes volontés, avec la vigilance qui s'impose bien sûr s'agissant d'enfants, m'a conduite à créer quelque chose de nouveau, une réserve citoyenne de l'éducation nationale qui permet à tous ceux qui nous ont dit leur disponibilité, leur expérience, de venir appuyer, aider l'école. Ils sont déjà 4600 à s'être inscrits. Cela permettra de proposer dans les salles de classe des interventions sur le temps scolaire, venant témoigner de la part de ces réservistes citoyens d'une compétence, d'une expérience personnelle.
créant une passerelle supplémentaire entre l'école et son environnement. C'est un engagement que j'ai souhaité soutenir, tout comme j'ai souhaité que celui des jeunes soit aussi reconnu dans le cadre du service civique. L'Éducation nationale fera ainsi appel à 5000 jeunes volontaires en service civique pour venir dans les établissements scolaires, accompagner les projets des élèves et des équipes éducatives, contribuer à l'apaisement du climat ou encore développer l'accès à la culture, au sport ou aux sciences. Toutes ces initiatives concrétisent un élan que je souhaite que l'on donne collectivement à la refondation de l'école et pour lequel vos travaux, vous l'aurez compris, nous sont infiniment précieux. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, chers conseillers, c'est un privilège pour moi que de ressentir dans la vie qui sera soumise dans quelques instants à l'approbation de votre conseil, combien la mission fondamentale de l'école d'offrir à tous les enfants de notre pays les mêmes chances de réussite, combien cette mission-là est soutenue par la société civile. C'est une chance, à travers le rapport de Jean-Paul Delahaye, de pouvoir mieux répondre demain au désarroi et aux souffrances que trop d'élèves et de familles vivent aujourd'hui dans leur relation à l'institution scolaire. La grande qualité de vos travaux est un signal fort en ces temps où la préoccupation du débat médiatique semble centrée sur l'avenir de l'élite, pour rappeler le sens profondément républicain de la politique éducative qui est de s'adresser à tous et de se soucier d'abord des plus fragiles. Vous ouvrez des perspectives concrètes pour amplifier la refondation de l'école. Je vous le dis, vous pouvez compter sur moi pour que ces rapports qui partent du terrain y retournent très vite avec la même exigence de transformation. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame le ministre. Madame la ministre, je tiens à vous dire d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant d'audience, puisque les tribunes sont pleines, mais aussi la salle hypostyle pour laquelle nous avons installé un écran, ce qui prouve tout l'intérêt que porte la société civile aux enjeux de l'éducation nationale. Je voudrais saluer aussi nos anciens, Madame Azéma, Monsieur Tardy et Monsieur Salto. À la demande du groupe des entreprises, une suspension de séance sera prononcée, je crois, 5 minutes. Bon, mettons 5 minutes, la séance est suspendue.
Non ? Y a-t-il... Je vous invite à reprendre place, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Y a-t-il une demande d'explication de vote ? Dans ce cas-là, le vote est ouvert. Juste à vous, excusez-moi, parce que je vous ai dérangé tout à l'heure. Et puis, en fait, Je vous invite à... Y a-t-il encore, Madame Grasse, des votes ? Quelqu'un souhaite-t-il encore voter ? Constatant qu'il n'y a pas de demande de vote, je déclare le scrutin clos et proclame le résultat. Il y a 168 votants. 4 votes contre, 35 abstentions, 129 voix pour. Votre avis est adopté, Madame la rapporteure. La parole est au président d'Acosta. Vu l'heure tardive, je vais être très court. Je voudrais simplement remercier l'ensemble des groupes des interventions qui se sont déroulées tout au long de l'après-midi. Je crois qu'il y a au sein de cette assemblée une vision partagée sur l'enjeu et les débats qui ont animé nos échanges tant dans la section que dans les interventions des groupes. Et nul doute, comme certains collègues l'ont dit, que ceci est source de nombreux travaux et de perspectives pour notre assemblée. Je veux simplement noter la contribution qui a été la nôtre, je crois, et le lien qui s'est instauré, y compris avec l'Assemblée nationale, et saluer en cela l'articulation forte entre notre section du Conseil économique, social et environnemental et les deux commissions, tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, qui étaient représentées cet après-midi. C'est signe d'un vrai dialogue permanent autour de cet enjeu de la République et celle de l'éducation.
et saluer le caractère original d'un travail partagé avec Jean-Paul Delahaye. Nous l'avions déjà aussi, dit. Mais aussi la collaboration des parents, etc. Et je voudrais saluer en votre nom les, celles et ceux qui, au nom d'ATD Quart-Monde, au nom des enseignants, se sont exprimés à la tribune tout à l'heure. Ça n'était pas évident. Madame la députée, merci de votre présence. Avant de lever la séance, je voudrais indiquer qu'il y a 4 amendements déposés sur le projet d'avis qui sera présenté demain à 14h30 par Madame Agnès Cortou. Ces amendements seront analysés dans l'hémicycle demain à 10h30 au nom de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La séance est levée. Directement en réunion.